Bon, quoi? Belle tête? Ok, les moches. Ok, les lèvres. Ok, les lèvres. Et les lèvres. les les. J'en ai marre! Je vous le fais avec ma pisse. Chiche, on en, en fait un. Hein. Chiche, on en, en fait un. Hein. Tout en merde. Merci. La puissance, c'est que j'arrive dans ta face, dans tes Christ. Ma vie, l'éternel, te pare -choque. On s'aime, on déteste, vas-y pédale pauvre bête, tête de fesse, le temps presse, moi je pars mais toi comique tu restes. Je parle de vérité, toi tu défends ta chienne, clin d'œil à cette pourriture d'Achera la vilaine. Eh ben, eh ben, eh ben, c'est pas très gentil tout ça, hein? Shalom à tous. Bienvenue sur ce live. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je suis votre sœur Avril, la femme de l'Éternel des armées. Amen. Appelez-moi Évangile si vous voulez. Et on va faire comme d'habitude. Je vais faire mon temps d'étude sur la parole de Dieu. Mais avant ça, avant ça, avant ça, on va rigoler. Non, non, on va pas rigoler. Je suis en colère. Non, je suis en colère. Non, 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 non. On reprend notre sérieux. Non, on va pas rigoler. Je suis en colère. Je vous assure, je suis en colère. On va rigoler sur d'autres trucs, mais là, non, je suis en colère. Alors là, j'ai un coup de gueule à passer. Là, là j'ai un coup de gueule à passer. Parce que moi, une soeur comme ça, moi, dans l'église, moi, j'y mets un coup de boule et je la sors de l'église. Non, non, parce que là, attendez, attendez. Il là, y a des choses qui ne se font pas quand même. Je veux bien qu'on rigole, je veux bien qu'on se détende, mais il faut quand même apprendre à s'étendre, bien se calmer. <laughs> Alors attendez, attendez, parce que là, il y a, y a un gros bug. Un gros bug géant, géantissime là. C'est TikTok là, là c'est d'adobe la dope, TikTok. Il fait, il fait bugger mon téléphone, TikTok de Dobe. Bon, bah t'as fini de gueuler là, de brailler. Alors je. <laughs> attendez. Bianca, il y a Titi dehors, il veut rentrer. Alors, franchement, ça sent, euh, ça sent vraiment le retour de Jésus-Christ parce que. Waouh! Wow, il y a de l'apostasie incroyable dans les églises. C'est le chantier dans les églises. Alors que normalement, au milieu des chrétiens, il y a la paix. Il y a les, les églises sont ordonnées. Elles sont à l'image de Jésus. Elles, elles représentent le Christ. Là, j'ai vraiment pas l'impression que ça représente le Christ. Alors, attendez, attendez, les amis, parce que. Ah, euh... oh, mon Dieu. Alors, je pensais avoir tout vu dans ma vie, mais là, là c'est pousser le vice au comble. Et je suis en colère, j'ai vraiment un coup de gueule. Euh, si vous connaissez cette sœur, il faut vraiment la, 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 y faire un truc. Il faut y faire un truc, ne faut pas la laisser rentrer à l'église. Ou, ou... Non, il ne faut pas faire des trucs comme ça, les amis. Je vous laisse écouter. « ouvre mes que Bon, c'est de l'humour, apparemment. Hein. C'est de l'humour. « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. » Bon, allez-y, vas-y, va, vas fais ton humour. mais Moi, honte pour elle. Non, non, mais tu, même pour blaguer, tu fais pas ça. Euh, Qu'il n'y ait pas de, de fanfarons parmi vous, dit le Seigneur. Les hommes des derniers jours sont fanfarons blagueurs. Mais euh, non, mais. Bon, là, on je... doit pas être sage à l'excès non plus. Hein. On doit quand même rire. Euh, Rie avec ceux qui rient, soyez toujours dans la joie, dit le Seigneur. Pleurez avec ceux qui pleurent. Bon, voilà. Ne sois pas sage à l'excès, pourquoi te détruirais-tu Non, mais là, 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 je comprends pas en fait. Non mais vous le voyez le truc ou pas là quand même Vous voyez le truc qu'elle a fait ou pas là C'est pas une question d'humour les amis. C'est c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. C'est de la moquerie vis-à-vis -vis des anges du Seigneur. Euh... Dieu est tout en tous. Donc même les anges, peu importe comment ils sont. Ils sont des. Dieu est dans les quatre êtres vivants, Dieu est... Dieu est dans les vieillards, Dieu est dans chacun de nous, Dieu est dans la nature, dans la terre, il est partout, il est la vie. Donc te moquer, euh, te moquer des anges comme ça, là, euh, là c'est te moquer de Dieu, ma grande. Ça s'appelle un blasphème, ça. Si le Seigneur aurait ouvert tes yeux et que tu aurais vu les anges, déjà, tu n'aurais pas des yeux comme ça. Et euh... Déjà, elle ne les aurait pas vus avec ses yeux charnels. Elle, elle les aurait vus avec son cœur, avec son esprit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment à l'âge comme ça, adulte, tu peux avoir un comportement de gamin comme ça et dire des, des âneries pareilles Tu ne peux pas avoir peur même des anges de Dieu parce qu'ils sont Dieu. Amen. Dieu est tout en tous. Amen. Donc il faut arrêter la... Et tu ne peux pas euh, <coughs> te servir des anges de Dieu pour, te, pour, pour les moquer, là, pour faire de l'humour. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas parce que tu es en train de te moquer de Dieu, tu es en train de, de blasphémer les anges. Dieu, il est tout en tous. Amen. En tout, en tous. Je suis vraiment en colère de, de, de voir ça, parce qu'il y, y a tellement d'autres petites choses humoristiques. C'est ridicule. C'est ridicule. La connerie et puis ce genre de blague ridicule, parce qu'à part t'humilier toute seule, il <coughs> faut quand même que quelqu'un te le dise, cocotte. Hein T'humilier toute seule là devant des gens, c'est tout ce que tu fais, quoi. C'est de l'humour, donc pour toi, c'est de l'humour, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce et des paroles pures plutôt que des blagues ou des choses insensées. Shalom. Les anges, c'est Dieu. Les quatre êtres vivants, c'est le Seigneur. Ils ont une face de lion. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Il y en a un qui a une face d'homme. Il y en a un qui a une face de veau. Il y en a un autre parce que la face de veau, il a pris la, la puissance des démons, du veau d'or et tout ça. Il a vaincu. Amen. Et l'autre, il a une face d'aigle. Euh, voilà. Les, 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 les êtres vivants et les vieillards et tout ça, c'est Dieu. Les anges sont Dieu. L'église est Dieu. C'est son corps. Allez, je peux voir, je peux voir Ça, c'est un Saint-Esprit, ça, 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 Saint ça Qu'est-ce que c'est que ces manières, ces débilité Retour à la réalité, Seigneur Retour à la réalité Retour à la réalité, Seigneur Parce que le Seigneur, c'est un mensonge Ah ouais, tu vois, le Seigneur, il a, il a inventé des mensonges là-haut, des, des, des monstres. C'est elle, le monstre. C'est elle qui n'est pas digne de voir notre Seigneur. Amen quand as le Saint-Esprit, t'as pas peur des anges. Ils sont Dieu. C'est les créatures de Dieu. Dieu, il est je suis ce que je suis. Et t'as créé toi à cette image. Les anges sont créés à l'image que Dieu a voulu leur donner. Parce que tous, on est à l'image de Dieu. Le soleil est une image de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le représenter. Dieu, il est, il est tout puissant. C'est un esprit qui peut tout. Amen. Et il a tout fait son image, même les quatre êtres vivants, même les vieillards, euh, l'Église même, elle, elle sera à son image. L'épouse est à son image. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là Je veux bien qu'on rigole, je suis la première à rigoler, je suis la première à faire des conneries. Mais euh, quand ça frôle le blasphème comme ça, faut peut-être se raisonner, puis se remettre à sa place quand même. Là, c'est même pas un blasphème, c'est carrément, elle se moque de notre Dieu, quoi. Faut le dire, parce que tout est à l'image de notre Dieu. Si tu te moques de l'Église, tu te moques de notre Dieu. Non mais n'importe quoi quoi. Aïe 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 pouvant few moments later. Non mais pourquoi se mettre dans des états comme ça je t'assure c'est incroyable C'est. Euh... Elle a Saint-Esprit la fille là hein? Saint-Esprit fait ça OK Bon je savais que Dieu pouvait me surprendre, hein, mais euh, là, euh, je suis quand même dans l'étonnement. 20... Non, mais vous êtes sûr que vous aimez ça, vraiment Quoi Non, mais je rêve. N'importe quoi. Oh. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, hein, qui euh, font la volonté du Seigneur. Large et spacieux le chemin de la perdition, les amis. Amen. Ne juge pas par ta colère. Je suis en colère, je ne la juge pas par la colère. Je la juge spirituellement parlant. Je la juge spirituellement parlant. L'homme spirituel juge de tout. On doit mettre en lumière ce qui est dans les ténèbres, c'est notre boulot. Si on perd notre saveur, on est le sel de la terre. Si on perd notre saveur, tu sais ce que c'est, le sel de la terre On est l'amertume de cette terre. Parce que ce monde-là, c'est un gros gâteau euh, bien pourri, bien sucré, là. Et nous, on est le sel. On vient, euh, on vient euh, ramener le sel de la vérité de Christ. Amen. Oui, je la condamne ouvertement, je la condamne parce que ce qu'elle fait, c'est du blasphème. Devant l'éternel, que c'est la vérité, elle fait du blasphème. Parce qu'elle se moque de notre Dieu. Se moquer des anges qui sont à l'image du Seigneur, ben, c'est se moquer de Dieu. Se moquer du soleil et à l'image du Seigneur, c'est se moquer de Dieu. Se moquer d'un chrétien qui, est, qui, est, qui a reconnu Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, qui est son image, c'est se moquer de Dieu. Elle se moque de Dieu. Si vous la connaissez, prévenez-la parce que je pense que c'est qu'elle ne se rend pas compte, en fait. Je pense qu'elle ne se rend pas compte que c'est une gamine mal affermie. Tout nous est permis. Hein. Donc on a droit de rigoler, on a droit de faire de l'humour. Attention, mais pas sur notre Seigneur quand même. Voilà. Donc on va faire le temps d'étude. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Amen. Et grâce soit rendue à Jésus Christ notre Seigneur, qui fait qu'on puisse se retrouver ensemble et qu'on puisse, par sa grâce, lire l'Évangile, vivre de cet Évangile, être transformé par la puissance du Saint Esprit qui vit en nous. Amen. Donc on doit être connaissant à Dieu et être connaissant à Dieu, c'est pas, euh, c'est pas se moquer de lui. Euh, pour avoir des likes et des vues sur TikTok. Vaut euh, mieux perdre son temps à lire la Bible et faire des actions de grâce que de, de faire des trucs quand même ridicules, je vous assure. Mercredi 28 février, psaume 103. « Bénis l'Éternel, mon âme. » Donc déjà pas avec mon corps, hein, ça sert à rien. « Et n'oublie aucun de ses bienfaits, aucun. » Alléluia. On s'est levé ce matin parce que c'est une grâce de Dieu. On a respiré parce que c'est une grâce de Dieu. On a bu notre café parce que c'est une grâce de Dieu. On a pu retrouver les gens qu'on aime, nos animaux, ou, ou cette vie même. C'est une grâce de Dieu. Amen, tout est grâce. Tout. Donc on doit être reconnaissant en permanence. Et être reconnaissant à Dieu, c'est lui faire honneur. Ce n'est pas le déshonorer comme ça devant tous. On ne doit pas lui faire honte, on doit le représenter. Et l'Église même, euh, je peux voir sur TikTok qu'elle est très, 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 très désordonnée. L'Église, elle est autant affolée que, euh, que ceux qui sont dans le monde. Parce qu'on sent l'esprit de ténèbres qui est là. On sent l'Antéchrist. Il va bientôt sortir de son trou. Ouais. Beaucoup abandonneront la vérité et s'attacheront à des doctrines de démons. Beaucoup abandonneront la foi, beaucoup abandonneront le Seigneur. Ils se donneront des foules de docteurs et de pasteurs. Avec les pasteurs qu'on a dans les églises, c'est 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 normal hein, d'avoir des euh, des brebis comme ça euh, qui font n'importe quoi. Euh... Ah, attendez, attendez on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vu. Non, non. Parce Vous savez que ce que c'est que d'être en contact avec quelqu'un Il y, y a des cas quand même. Hein. Mais c'est un. On n'a pas tout vu. Attendez, attendez, il y en a d'autres. Non, non, c'est le, le chantier dans les églises, il faut le dire, les amis. Et là, euh, euh, bah c'est à nous, c'est à nous d'aller euh, leur rappeler qu'il faut lire l'évangile, parce que c'est tout ce qu'on peut faire pour eux, c'est tout. Alors, attendez. Où c'est que c'est C'est que ça... <laughs> attendez, attendez, attendez. Power on. Bluetooth mode. Oh, mais ben c'est... Qu'est-ce qu'il m'a fait lui Pourquoi il a changé là Non, mais... Pourquoi elle s'est éteinte, elle toute seule, là, elle m'énerve Bluetooth connecte-toi. Ouais, connecte-toi. Connecte oh, elle se dit connecte Disconnected, connected, qu'est-ce qui lui arrive Attends. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon C'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi là dans l'église? <laughs> Une église Non Et les gens rient, les gens applaudissent. Oh, D'où Jésus Le Seigneur, il a dit que quand on verra le figuier maudit pousser des branches dans le monde, donc quand on verra les hommes impies et méchants dans tous les lieux, même dans les lieux où il ne devrait pas être, c'est qu'il est sur le point d'arriver. S'appelle l'apostasie. Le Seigneur leur envoie une puissance d'égarement. Amen. Ils disent son nom, mais son nom, c'est une couverture pour faire tout ce qui, tout, tous les mauvais désirs de leur cœur, tout, toute cette folie, toute cette folie-là qu'ils ont dans, dans leur tête. Là. On ne sait même pas ce qui se passe dans leur tête. Cette dame, elle n'a pas honte d'être couchée comme ça, d'être ridicule comme ça. C'est incroyable. Non. <laughs> Elle fait quoi Oh mon Dieu. Mon Dieu. Il y a tellement de gens qui travaillent ici. Il y a certains mouvements évangéliques. Et tant pis, je vais mettre les pieds dedans. Il y a certains mouvements. Oh mais mets juste tes pieds dans le plat. De faire les mais mais c'est biblique de faire prêcher les femmes. Même l'Église qui prêche au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, sont appelées l'épouse de Dieu, la femme de Dieu. C'est l'épouse, c'est la femme de Dieu qui prêche, c'est l'Église. Donc la femme, elle a le droit de prêcher. Qu'est-ce qu'il y a avec ça Psaume 68, verset 11, va lire, pasteur. Vie et lumière, ça c'est une sacrée secte aussi, ça. C'est chez les gens du voyage, ça, là, c'est une sacrée secte. Une sacrée secte où les dirigeants de la secte, là, ils ont reçu euh, par la République française les, euh, les espèces de médailles, là, euh, tu sais que, que tu reçois euh, pour bon service à la France, là, je sais plus comment elles s'appellent, les médailles, là, voilà. Ils ont reçu ça. Pourquoi pourquoi ils ont reçu des médailles comme ça Normalement, euh, ça, c'était les militaires quand ils avaient rendu service à la France. Macron, il les donne à tout le monde. Il a même donné à l'Ukraine un gars qui n'a jamais servi la France, au contraire, qui a dépouillé la France. Voilà. Bon, on doit garder notre bénignité. Hein. Amen. Mais on doit dire la vérité, on doit dire ce qui se passe parce que c'est notre rôle. Amen, c'est notre rôle. Et là, moi, je vous le dis en vérité, il y a la puissance d'égarement. Le Seigneur a envoyé des. Des esprits aux églises des folles. Il envoie son, ses anges à l'église des sages. Amen. Puis d'abord, les, les sages seront enlevés par les anges. Amen. Mais là, il a envoyé le Seigneur un, un, es, un esprit puissant d'égarement. Amen. Ils sont égarés. Hein un Seigneur, un un, un Seigneur, un pasteur qui dit ça, il n'est pas au courant du Seigneur, il ne connaît pas le Seigneur. psaume 68, verset 11. Le Seigneur dit une parole. Jésus est la parole de Dieu, l'évangile les messagères de bonne nouvelle égale euh, la bonne nouvelle, l'évangile sont une grande armée grande fut la foule de femmes qui répandirent la bonne nouvelle et le monsieur là il est pasteur alors attendez le pire parce que euh, bah, j'ai filmé et là il y a un espèce d'esprit ou je sais pas quoi qui s'envole alors je sais pas si c'est un effet du téléphone, j'en sais rien j'en sais rien mais regardez ça il y a tellement de personnes qui prêchent ici. Il y a certains mouvements évangéliques, et tant pis, je vais mettre les pieds dedans. Il y a certains mouvements évangéliques qui pensent que c'est biblique de faire prêcher des femmes. Y aura-t-il quelques femmes qui voudraient prêcher ici ce soir C'est quoi C'est un effet du téléphone, non J'en sais rien. Ou, ou un esprit démoniaque, j'en sais rien. Y aurait-il des femmes qui vont prêcher ce soir Ça, c'est le genre d'homme Rien que par cette phrase, il utilise déjà ton libre arbitre. C'est sûr que là, tu es une femme, tu ne vas, tu vas pas dire, mais bah, moi, j'ai envie de prêcher. Mais moi, je serai dans son truc, là, moi, je me lève, moi, je prêche. Moi, je prêche et puis je te prêche que l'église même de Jésus-Christ, c'est une femme, c'est une épouse qui prêche sa bonne nouvelle, qui prêche sa parole. Donc ça, c'est dans ta tête à toi que la femme, elle ne peut pas prêcher. Celui qui retranche quelque chose des Écritures... Sa part de l'arbre de vie est retranchée. Celui qui ajoute quelque chose aux Écritures, le Seigneur le frappera de tous les fléaux décrits dans la Bible. Amen. Dieu, le diable. Dieu, le diable, quoi Bon, c'est pas grave. Allez, psaume 103, les amis. Bénissons l'Éternel des armées avec nos âmes en esprit et pas avec nos corps et n'oublions aucun de ses bienfaits. Il marche dans les ténèbres, mais Seigneur, quelle lumière nous donne la grâce de pouvoir nous rendre compte que ben ouais, le monde est bien divisé en deux. Il y a des loups déguisés en brebis. Amen. Et il y a des, des, vrais, des vrais brebis de Dieu, des vrais, des vrais élus. Mais ils sont peu nombreux hein, quand même, les vrais élus. Amen. Ils sont peu nombreux parce que bah c'est comme ça. La parole de Dieu doit s'accomplir. Pas un seul iota sera, sera enlevé. Et puis tout déjà est accompli. Parce que le Seigneur, ses dernières paroles sur la croix, tout est accompli. Amen. Donc le monde, là, euh, on attend que le retour de Jésus-Christ. Hein, on attend l'enlèvement de l'Église. On attend le retour de Jésus-Christ. Puis le jugement du monde, le jugement des nations, le gros trône blanc. Amen. Tout est déjà... Euh, séparés en deux parce que le Seigneur ben, il a appelé ses brebis et celles qui font sa volonté ben, elles sont prêtes amen elles sont prêtes elles travaillent mais les mauvais ouvriers là ils font tout et n'importe quoi c'est le Seigneur qui nous pardonne les amis il pardonne toutes nos iniquités donc c'est une grâce il nous guérit de toutes nos maladies encore une autre grâce c'est lui qui nous délivre de la vie euh, que nous avions avant dans le passé une vie de péché et euh, le salaire du péché c'est la mort. Donc il nous délivre de la fosse. C'est lui qui nous couronne de bonté. Il nous met la couronne du salut sur la tête. Mais si ta couronne tombe, dit le Seigneur dans l'Évangile, parce qu'elle peut tomber, euh, le Seigneur il la ramasse et il la pose sur la tête de quelqu'un d'autre. Parce que il y a des places dans le royaume du Père. Amen. Le Seigneur nous a préparé des places. Mais si tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu ta place sera donnée à quelqu'un d'autre. C'est le Seigneur qui nous rassasie de bien durant la vieillesse. Amen. Et c'est le Seigneur qui nous fera rajeunir comme l'aigle, parce qu'il euh, va retirer nos âmes de, de nos corps pour nous donner des corps de jeunes gens ou de jeunes femmes. Amen. Voilà, de, de jeunes gens et puis euh, ou alors un corps de nouveau né. Amen. L'Éternel fait justice. Il est la justice. Donc, si nous, on le représente, on doit être justice. Et c'est ça la saveur. C'est ça la petite saveur, tu vois. C'est que bah, tu rappelles que Dieu est grand et que Dieu, bah, c'est n'est pas un bisounours avec lequel on peut utiliser son nom euh, pour faire tout et n'importe quoi. Ne faites pas de votre liberté en Christ un principe pour vivre selon le monde. Euh, si tu perds ta saveur, tu resteras dans les ténèbres du dehors un sel qui n'a plus le, 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 le sel qui n'a plus l'odeur du sel euh, ben il reste dehors on a pas besoin on jette euh, on jette sur la route tu vois pour qui à la rigueur qui déneige encore la neige mais euh, il reste dehors quoi <laughs> on passe pour des méchants parce que les hommes euh, appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien donc c'est sûr qu'un chrétien qui défendra la vérité passera pour un méchant ça, c'est sûr et certain. Euh, mais vaut mieux passer pour un méchant et être agréable à Dieu, faire la volonté de Dieu, que de passer pour un, un juste tout en étant hypocrite. Chercherais-je encore à plaire aux hommes Non. Non. Je suis au service des, des hommes, mes frères. Amen. Que celui d'entre nous qui veut s'élever soit abaissé, soit notre serviteur. Je suis au service des hommes, mes frères, parce que je suis un ange de Dieu et les anges se servent les uns les autres. Amen. Ils sont en communion les uns avec les autres. Ils savent vivre ensemble, alors que les démons s'entretuent. Mais euh, nous, quand nous disons quelque chose, que nous apportons une vérité, c'est pour rétablir ce que, c'est pour chasser les ténèbres. On est la lumière du monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Et si on perd notre saveur, on n'est bon qu'à rester dehors. Bah ben ouais. Parce que si tu perds ta saveur de sel, donc, de justice ou d'amour, bah, tu perds aussi ta lumière, tu perds aussi le Seigneur. Et si tu n'as plus le Seigneur, bah, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que par lui qu'on entre dans le royaume de Dieu. L'Éternel nous fait justice, c'est notre avocat. Il fait droit à tous les opprimés, donc on était tous esclaves du péché, on était opprimés par les démons. Et il a manifesté le Seigneur ses voix à Moïse. Amen, puisqu'il a donné les dix commandements. Il a aussi donné la loi du lévitique. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est la loi vivante. Et nous sommes son corps. Ça veut dire que je suis la loi. Je suis la loi vivante aussi. Amen. Et je dois rappeler sans arrêt cette loi pour être juste. Porter le nom de juste devant Dieu, c'est rappeler les Écritures. Et tant pis si elles font mal. Et tant pis euh, euh, s'ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Les apôtres allaient de ville en ville selon selon le Saint-Esprit là où il les envoyait. Amen. Ils devaient saluer personne en chemin. Parce, pour, déjà pour des méchants, parce qu'ils saluaient personne, ils disaient pas bonjour à personne. Hop, ils avançaient tout droit. Et ils prêchaient de ville en ville, et là où on ne les recevait pas, ils secouaient la poussière de leurs pieds en disant, la poussière même de votre ville s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous, et sachez que l'Éternel, voilà, le royaume des cieux s'est approché de vous, donc l'Éternel, notre Dieu, s'est approché de vous. Et ils partaient. Mais ils avaient quand même prêché, ils avaient quand même dit ce qu'ils avaient à dire. Donc nous, euh, c'est exactement la même chose qu'on doit faire, surtout que le Seigneur, c'est ce qu'il nous a demandé de faire il y a pas longtemps. Il nous, a, il nous a demandé d'aller les exhorter à lire l'évangile. Il faut qu'on les reprenne dans la folie où ils sont et qu'on euh, les incite à revenir à la lumière, donc à l'évangile. Il faut leur, euh, leur dire le mal qu'ils font, parce que si personne leur dit, si on passe à côté, ben si on passe à côté, on n'a pas à travailler pour le Seigneur. Le Seigneur, il ne nous demande pas de fermer les yeux et. Euh, et de rien dire et de les laisser faire. Ils ont certes un, lib un libre arbitre, mais nous, on doit euh, les exhorter à reprendre ce libre arbitre qu'ils ont et à se tourner vers Dieu, vers l'évangile, donc la lumière du monde, le Christ. Amen. Vers leur sauveur. Parce que, certes, euh, pour se retrouver dans des états comme ça, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fréquenté comme lieu de culte ou comme personne, mais euh, là, ça sent la possession à plein nez. À plein nez. Moi, je vais pas dans les lieux de culte. Je me préserve. On doit se garder pur. Amen. Dans les lieux de culte, il y a n'importe qui qui entre, des justes et des injustes, des gens possédés. Et puis, euh, euh, je veux éviter le contact avec les gens parce que si le Saint-Esprit se donne par imposition des mains, enfin, le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit, c'est des dons du Saint-Esprit. Amen. Euh, le, la possession aussi et les malédictions aussi se donnent par imposition des mains. J'avais un frère ce matin qui me racontait que euh, au moment où il a été euh, baptisé, il a été à un séminaire dans un, dans un lieu de culte et il y avait des, euh, des dépossessions comme ça. Et euh, le Seigneur lui a donné une vision. Le Seigneur lui a donné une vision euh, d'un esprit lié. Et euh, ce jeune frère qui venait d'être à peine baptisé ou qui venait dans ce lieu de culte pour se faire baptiser, euh, a été appelé directement par les pasteurs qui étaient en train de déposséder quand il a dit euh, sa vision. Et euh, le, le, le pasteur l'a fait participer à imposer les mains et puis à déposséder le, le possédé. je dit c'est quand même incroyable ce que tu me racontes. Moi, je vais pas dans les lieux de culte parce que justement, il se passe des choses comme ça et, euh, et je sens que c'est pas de Christ tout ça, moi. Je suis pas bête, hein. on marche pas par la vue, nous on marche par l'esprit le, et euh, l'esprit quand il t'a réveillé, euh, tu peux pas te rendormir dans la folie euh, comme ça. J'ai dit c'est quand même incroyable ce que tu me racontes parce que euh, normalement seuls les anciens déjà peuvent imposer les mains selon les écritures, parce qu'on doit respecter les écritures, elles ne sont, euh, sont pas là pour rien les écritures. Seuls les anciens doivent imposer les mains, ni les enfants, ni les femmes, euh, voilà, à part une... Une femme, si elle est chez elle, sur son enfant, tu vois, pour prier. La prière de la foi guérit le malade. La prière des justes est d'une grande efficacité. Donc, on peut prier tous ensemble, parce que quand on se met tous ensemble, la prière, elle est automatiquement accordée. C'est ce que dit le Seigneur. Amen. Enfin, si on est des justes. Amen. Pas si on est des pécheurs. Mais euh, normalement, dans l'Église, c'est les anciens qui imposent les mains. Et ils n'imposent pas leurs mains avec précipitation parce qu'ils doivent obéir à la plénitude des Écritures. Donc on impose les mains à quelqu'un qui est chrétien, amen, qui est baptisé en Christ. Et ces gens, ils, ils posent leurs mains même sur des gens qui ne sont pas baptisés en Christ. Et là, c'est grave. Moi, je ne prie pas pour une personne qui n'est pas baptisée en Christ. Ah, je suis dure, hein, mais euh, les Écritures aussi, elles sont dures. Le Seigneur aussi ne fait pas entrer n'importe qui dans le royaume. Amen. Euh, J'ai été sur un live ce matin d'une sœur chrétienne, elle avait une voix très douce. Elle lisait les Écritures, elle partageait des versets, c'était très bien. Amen, c'était très bien, J'avais rien à dire de, de cette sœur. Amen, elle travaillait très bien. Puis à un moment, à la fin de son live, elle dit euh, « je, euh, je vais faire des prières ». Ceux qui ont besoin de, voilà, de, de sujets de prière, moi j'ai déjà fait aussi sur les lives, donnez vos sujets de prière et je vais prier pour vous. Et il y a une sœur qui a demandé euh, bah, qu'on euh, prie pour elle euh, parce que sa tante, elle avait un cancer ou euh, voilà, une maladie comme ça, grave. Et euh, je ne peux pas dire amen à une prière si je sais que la, la, la dame là pour qui on prie, elle n'est pas chrétienne. Moi, je prie pas pour le monde. Jésus ne priait pas pour le monde. Père, je ne te prie pas pour le, 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 le monde. Je te prie pour ce que tu m'as donné. Donc, nous devons être comme Jésus. On est des imitateurs de Jésus. Je peux pas prier pour n'importe qui. Cette personne n'est pas chrétienne. Même pas, je la touche. Même pas, je. Non, non. Jésus, il allait vers les gens de mauvaise vie, des gens qui étaient non-croyants, etc. Mais Jésus, c'est Jésus. Moi, c'est moi. Je n'ai pas l'autorité de Jésus. Je marche, certes, sur les serpents et les scorpions parce que j'ai pouvoir de les lier amen mais euh, je ne prierai pas je ne donnerai pas ma bénédiction et je ne m'associerai pas à des gens qui ne sont pas baptisés ça c'est clair et net même s'ils disent seigneur seigneur euh, <laughs> si tu n'as déjà pas ton baptême ta première ton premier lavement dans l'eau du ton pré lavage <laughs> je ne te touche même pas je ne veux même pas te contacter avec toi je rends grâce au seigneur de pouvoir d'ailleurs prêcher euh, sa parole, faire des temps d'études, rappeler sa parole. Amen à travers mes temps d'études, parce que je ne donne pas un enseignement non plus, je ne suis pas le, goût, je suis le gourou de personne. Je rends grâce au Seigneur de pouvoir le faire à travers des, des réseaux sociaux, parce que ça évite les contacts et euh, ça évite beaucoup de choses. L'Éternel a manifesté ses voix à Moïse, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses voix, ses œuvres. Donc, Dieu, déjà, un chemin avec des commandements. Vous connaissez le chemin. Oui, je connais Jésus. Jésus, c'est le chemin de vérité et, et pour la vie. Amen. Mais il a accompli. Il a accompli ses propres voies qui ont été données à Moïse euh, par ses œuvres. Amen. Il a tout accompli pour moi. Donc, maintenant, je ne garde pas les commandements du Père parce que le Fils les a accomplis. Donc, je ne me convertis pas au judaïsme. Mais je, je vais suivre le Messie. Je renonce à moi-même et je vais suivre le Messie. Et garder les commandements de l'évangile parce que c'est les commandements de la loi vivante et éternelle, donc notre Dieu. Amen. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il n'est pas comme moi déjà. Il n'est pas comme moi. Un seul est bon. Amen. Bon, ne faut pas mentir sur qui on est, hein. Faut pas mentir sur qui on est. On a, on a tous des défauts, faut le dire. Amen. Moi j'ai des gros problèmes de colère, mais ça je l'ai déjà dit aux gens. Ouais, moi j'ai des gros problèmes de colère. <laughs> je me gêne pas pour dire ma colère au Seigneur. Donc c'est pas avec des hommes que je mets des gants blancs. Hein. Ça c'est clair. L'Éternel est miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Donc on doit être imitateur du Seigneur. Je fais miséricorde parce que quand je vais voir quelqu'un qui est dans les ténèbres et que je lui ramène de la lumière, juste de miséricorde. Amen. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est riche en bonté. Il ne nous destine pas à la colère. Mais à un moment, bah, la porte de la grâce sera fermée. Il est la porte des brebis. Et plus personne pourra entrer en Jésus-Christ, l'église, la véritable église. La véritable église, c'est le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas votre corps. Et votre âme, elle doit entrer en lui. Et lui doit être en vous. Il y a un échange comme ça qui se fait. Mais l'échange d'esprit et d'esprit, là, ça se fait qu'entre vous et Dieu. Ça ne peut pas se faire avec les hommes. C'est pour ça qu'il ne faut pas imposer vos mains avec précipitation. Il faut vous garder pur. Amen. Enfin, quand le Seigneur a mis le Saint-Esprit en toi, personne peut le chasser de là. Amen. Grand est celui qui m'a mis là. Voilà ce qu'a dit le Saint-Esprit en moi. Amen. Le jour où j'ai essayé de le chasser, parce que l'Éternel m'avait donné un songe dans lequel, avec des paroles dans lequel je chassais une sorcière. Amen. Grand est l'esprit qui m'a mis là. Donc le Saint-Esprit bouge pas, il décolle pas. Tu peux pas l'enlever. Amen. C'est un don de Dieu. Alors il y a que Dieu qui peut le retirer. Amen. Mais on peut quand même attrister le Saint-Esprit. Et si on attriste le Saint-Esprit, Dieu peut tourner sa face, donc enlever. Il peut enlever le Saint-Esprit. Et euh, notre but est de garder le bon dépôt que Dieu a mis en nous, donc de ne pas l'attrister. On fait assez de péchés et de choses comme ça, les amis. Donc on doit veiller sur notre conduite, on doit veiller sur nos paroles, on doit se bourrer de coups. C'est pas facile tous les jours parce que on encaisse, on encaisse, on encaisse. Le, le, les disciples ils supportent beaucoup, le monde leur fait beaucoup de mal. Amen. En tout cas moi c'est mon cas. Et il y a des jours oui c'est très très dur et je craque. C'est très 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 dur. Mais quand je suis infidèle, le Seigneur me demeure fidèle. Et euh, je me rends vite compte que j'ai craqué, que j'ai fait des choses qui étaient pas belles à faire. Ça m'arrive. Amen. Mais euh, si je confesse mon péché, le Seigneur est bon pour me pardonner. Amen. Donc le Seigneur ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Certes, il se met en colère, mais il garde pas sa, sa colère pour toujours. Par contre, quand euh, il va juger les démons et les hommes impies, qu'il va les jeter dans la géhenne, là, il gardera sa colère pour toujours. C'est au siècle des siècles. Amen le seigneur ne nous traite pas selon nos péchés alléluia merci seigneur merci éternel des armées en Jésus christ parce que si tu devais nous traiter selon nos péchés ben on n'aurait pas fini de souffrir ce que nous fait le monde à côté c'est rien le monde c'est un petit joueur ce que l'éternel nous ferait bien souffrir il ne nous punit pas selon nos iniquités donc les iniquités c'est les péchés amen c'est l'ensemble de tes péchés AMEN mais c'est kiff, kiff pareil. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. L'Éternel est bon et il bénit ceux qui le craignent, ceux qui gardent ses commandements. Ceux qui ne gardent pas ses commandements, ben l'Éternel les punira, les châtiera. Amen. Il euh, y a un monsieur là qui, euh, qui, était, euh, qui était chrétien cato. Il a enseigné des gamins euh, au catéchisme, puis aujourd'hui ce monsieur, il a abandonné euh, sa religion. Et du coup, euh, bah il parle comme ça contre nos dieux, il fait beaucoup de vidéos où il parle contre nos dieux, où il dit il euh, euh, y a des erreurs dans la Bible, etc. Il parle contre nos dieux en disant que nos dieux n'existent pas et tout ça. Bon, un cateau, a-t-il vraiment la foi, un cateau Parce que oui, il a la foi au pape, il a la foi en ce qu'il voit. Et un catho n'a jamais rencontré Dieu parce que leur Dieu, c'est le pape. D'accord C'est lui le Saint-Père, c'est lui leur Père, euh, c'est lui le chef de leur Église. Amen. Et ce monsieur, euh, bourré de haine, parce qu'il euh, a perdu des années de sa vie à faire du catéchisme et de la connerie, et puis évidemment, euh, tu peux pas, quand tu es religieux, tu ne peux pas tenir des années, des années, des années non plus, euh, toute une vie, euh, sans te lasser de ça et c'est lassé hein. donc euh, il vient aujourd'hui critiquer le Dieu qu'il est en train de mettre dans la tête des enfants parce que nous notre éternel ça peut pas le toucher ça notre éternel il est trop élevé il n'a pas connu notre Dieu mais à cause de lui et des conneries qu'il raconte parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses dans leur tête ils confondent religion et Dieu tous les malheurs qu'engendre la religion et le mal qu'engendre la religion ben ça, ça permet d'accuser Dieu voyez et ce monsieur, ben, il n'a pas pu perdre la foi parce qu'il ne l'avait pas, je vous dis, il n'a pas rencontré le Seigneur. Mais euh, aujourd'hui, ce qui il, il parle de son ex-religion, il parle, mais c'est sa religion qui a fait ce mal. Et il accuse notre Dieu. Vous Voyez, nous on ne doit pas euh, servir comme ce monsieur. On ne doit pas être religieux sectaire parce que sinon on va s'essouffler, on va se perdre. Et euh, nous, nous devons euh, honorer Christ et être Orling. Orling, dans, euh, dans les versets, euh, si notre conduite encore, ça déconne, on n'est pas on, est, on est pas parfait, on est en route pour la perfection. Donc ça peut encore déconner. Mais on doit être quand même Orling sur, sur au moins une chose, c'est sur la vérité. Parce que le chrétien, il doit avoir à ses reins la ceinture de vérité. Le zèle, les chaussures du zèle, amen. Donc il doit avoir l'armure du bon chrétien. Mais après l'armure du bon chrétien, tu as ta robe des noces. Mais dans ta robe des noces, tu as toujours les chaussures du zèle, tu as toujours le bouclier de la foi, tu as toujours à terrain la ceinture, malgré ta robe des noces. C'est juste l'armure, que tu n'as plus la cuirasse, parce que la cuirasse, du coup, c'est devenu une robe. Ça veut dire que tu as fait acquisition de la cuirasse, elle est devenue ta peau, tu vois, c'est une robe maintenant. Amen. Et euh, nous, on doit être au moins hors ligne sur une chose, c'est sur la parole de Dieu. On doit la connaître bien, bien sur le bout des doigts pour pouvoir exhorter, censurer, corriger. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle de l'Évangile. Je ne parle pas des, euh, des histoires bibliques. Moi, je ne connais pas par cœur toutes les histoires bibliques de la Bible. J'en connais déjà un bon bout. J'arrive à répondre à plein de choses, mais pas à tout non plus. Mais euh, au moins l'Évangile. L'Évangile, c'est très, très important de le connaître parce que c'est notre Seigneur Jésus. Amen parce que nous on est des témoins de Jésus, on rend témoignage de lui. Donc on le représente dans le monde. Donc même si on a une conduite à la rigueur qui déconne, les gens peuvent comprendre qu'on est en chemin avec Christ et et que ben on n'est pas parfait, mais on a, on se bourre de coups, on apprend à être parfait. Amen. On y apprend. Et c'est un travail de chaque jour qui demande des efforts. Et euh, notre but, c'est pas de faire des religions et des sectes, parce qu'il y en a assez dans le monde comme ça, le monde en est rempli. Mais euh, notre but, c'est pas de remplir non plus des églises, c'est d'affermir nos frères et sœurs. Et au moins, même si on n'affermit pas les frères et sœurs, eh ben c'est au moins, il faut se débrouiller pour ne pas faire blasphémer le nom de notre, de notre Dieu. Parce que si, quand tu vas représenter Dieu, et que tu vas prêcher pour lui, les gens vont le blasphème à cause de toi, euh, c'est à toi que le Seigneur va demander des comptes. Ben oui, parce que quand tu vas représenter ton Seigneur, bon, tu n'es pas dans le cœur du pécheur, parce qu'il y a des, des, euh, des esprits démoniaques dans certaines personnes qui blasphèment le nom de Dieu sans même que tu leur aies rien fait. Mais toi, tu dois pas être une, une occasion de chute pour les frères et sœurs, et euh, on doit pas euh, mal parler de l'Éternel euh, à cause de toi. Donc, aller exhorter, prêcher, censurer, corriger, euh, bah, ça engendre des conséquences. Amen. Et si, es pas, euh, si tu ne sais pas toutes choses, bah, malheureusement, tu cours des risques et tu ne sais, tu sais même pas lesquels. Vous savez même pas quel esprit vous habite. Hein, euh, vous avez un esprit euh, vraiment glorieux en vous, le Saint-Esprit. Amen. Vous avez cette onction qui vous est donnée. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit hein, c'est une onction. Amen Mais c'est tout comme, c'est tout comme parce que si lui il est déjà là, c'est le bon dépôt. Garde le bon dépôt jusqu'à ce que je revienne, persévère dans la persévérance des saints et tu auras ainsi le, 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 les restes de ta récompense. Le, la récompense se donne en deux fois. Amen Le Seigneur le donne en deux fois. Il te donne des prémices, il te donne un bon dépôt. Et euh, faut faire attention parce que rencontrer les autres... Euh, ça engendre des conséquences, les amis. Amen. Que le Seigneur peut vous demander à vous. Le Seigneur peut vous demander des comptes à vous. Parce que le Seigneur, vous savez très bien qu'il demandera des comptes à toute l'Église, de toute façon. Amen. À tous les ouvriers. À celui qui a dix talents, il lui en donnera vingt. celui qui a cinq talents, il lui en donnera dix. Celui qui n'a qu'un talent et qui n'a pas travaillé correctement, il lui en donnera pas. Il reprendra le talent. On enlèvera celui qui n'a pas travaillé et on donnera celui qui a travaillé. Amen. Donc, si tu veux travailler, c'est bien, mais fais-le correctement. Tu peux pas aller exhorter, censurer, corriger, reprendre, euh, prêcher l'évangile si euh, tu n'en as pas connaissance. Et il y a des pasteurs qui n'ont pas connaissance de, de la Bible, de l'évangile, c'est grave. Parce que bon, bah, quand tu es pasteur, il faut quand même aussi avoir des connaissances de la Torah, du coup. Bah oui, de toutes les histoires, différentes histoires et tout ça. Euh, et il y a des pasteurs, zéro, hein, zéro, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Ils, ils endoctrinent un enseignement qui leur vient dans, dans leur propres pensée Ils vivent selon leurs propres désirs, selon leurs propres pensées. Mais euh, leurs voix ne sont pas les voix du Seigneur et leurs pensées ne sont pas les pensées du Seigneur, les amis. Amen. On n'est pas notre propre chef, on a renoncé à nous. Donc le Seigneur, il ne nous traite pas selon nos péchés, heureusement, et il, nous, il ne nous punit pas selon nos iniquités, dans toute la plénitude de nos péchés. « Mais autant les cieux sont élevés pour ceux qui le craignent, au-dessus au de la terre, pardon, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » J'ai sauté une ligne, alors je ne sais même pas comment j'ai pu sauter une ligne. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Parce que le Seigneur est bon, euh, il ne peut pas se renier lui-même. Amen. « Mais il est bon pour ceux qui le craignent. » Donc l'évangile t'est indispensable. Amen. Parce que l'évangile, c'est le chemin de Christ. C'est les commandements de Dieu et l'évangile doit être ton mode de vie. Si tu, euh, si tu ne changes pas de vie et que tu ne te convertis pas à l'évangile, se convertir, c'est vraiment changer de vie. Hein, parce que l'évangile, c'est un mode de vie. Amen. Euh, bah, tu marches pas sur le bon chemin, tu es toujours sur la route large et spacieuse de la perdition. Comme un père a compassion de ses enfants, donc il est le père et l'église, c'est les enfants. Il y a des enfants qui font des bêtises, on est des enfants. Donc on mérite des fois d'être pris, c'est vrai. Mais à des enfants, euh, c'est plus, c'est même plus des enfants de Dieu, c'est des petits démons. Et euh, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu, ben, c'est de garder ses commandements, de garder ses paroles. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Euh, Dieu a pas créé Adam de la terre. Il y, a, il y avait aussi nos fausses doctrines comme ça qui circulaient, où les Africains disaient qu'ils étaient les Dènes. Enfin, certains Africains disaient ça, je ne mets pas tout le monde dedans, euh, parce que leur peau noire était tirée de la terre, du sol. On n'est pas formé de la terre, on est formé de la poussière. C'est très, très différent. Donc, à la rigueur, notre peau devrait être grise, si, euh, si la couleur de la poussière est grise. Mais. Euh, on est formé de la poussière du sol, on n'est pas formé de la terre du sol. Et euh, ça ne justifie aucune couleur de peau. Nous sommes tous à l'image de Dieu, Dieu sauve des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Amen. Donc on n'a pas à dire qu'on est supérieur à un autre. J'ai entendu là là il y a vraiment des doctrines euh, incroyables inventées euh, sur les réseaux sociaux incroyables. Une sœur qui disait euh, que, parce qu'elle avait la peau euh, noire, sombre, qu'elle euh, ben, était plus divine que les blancs parce qu'ils euh, avaient de la mélanine dans la peau. Pardon. Et j'ai été voir sur quoi elle se basait. Elle se base sur un truc scientifique euh, où ils appellent ça euh, la, la mélanine, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est une mélanine euh, qu'on retrouve apparemment que dans les peaux noires. Mais c'est un nom scientifique qui a été donné. Ça ne prouve rien divinement parlant, vous voyez. Mais ils prennent tout pour acquis comme ça. Ils prennent tout pour acquis comme ça. Il y a euh, aussi euh, là un cateau, voilà, ils il font des doctrines eux-mêmes, les hommes, hein, ils sont incroyables. Il y a un cateau qui fait une grimace démoniaque et qui dit euh, que euh, le Je vous salue, Marie, pleine de grâce, c'est dans la Bible et que c'est biblique de prier le Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Sauf que le Je vous salue, Marie, ce n'est pas une prière. C'est une salutation. Donc les gens confondent tout. Euh, ils se mettent à prier des salutations. Ah ouais C'est nouveau ça. C'est nouveau. Donc euh, bonjour, shalom. Allez, on le récite grain par grain sur le chapelet. Bonjour, shalom. Bonjour, shalom. <laughs> Je, euh, vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est la sa salutation de l'ange. C'est pas une prière. Sert à rien de de, de répéter ça. Oui, c'est écrit dans la Bible, la salutation à Marie. Mais il y a la salutation à Abraham, il y a la salutation à Jacob, il y a la salutation de Jésus. Que la paix soit avec vous. Donc, à la rigueur, faut qu'ils prient tout ça aussi. C'est ridicule. Les hommes se donnent des foules de docteurs et de pasteurs selon leurs propres désirs et ils font des erreurs, des erreurs graves parce que ils pensent bien faire mais ils font mal. Parce qu'il ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit. Nos prières doivent venir de Jésus-Christ. Et c'est pas à nous de décider de qu'est-ce qu'on prie et comment on prie. C'est le Seigneur qui vit en nous. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour le monde. Et c'est le Seigneur qui me guide. C'est le Seigneur en esprit qui me fait parler. C'est le Seigneur en esprit qui me, qui me donne l'intelligence, les prières et tout ce que je dois faire. Amen. Sans le Seigneur, on peut rien faire. Amen. Donc, comme un père a compassion de ses enfants, c'est un avocat. Tu aimes tes enfants. Quand tu as des enfants, je sais pas si tout le monde en a là, forcément, sur le live. Forcément, qu'il y a des gens qui n'en ont peut-être pas. Euh, mais moi, j'ai mes enfants. Ils ont fait des bêtises graves. Ils ont fait des bêtises graves. Aïe. Ah oui. Mais tu finis, même si tu es en colère, tu vas pas tuer ton enfant, ton gosse. Tu ta, ton amour est plus fort que ta colère. Et l'amour de Dieu pour euh, ses enfants est plus fort que sa colère et la colère que dieu a ressentie à cause de nos péchés à cause de nos bêtises il l'a tournée contre lui et comme il est, il est dieu il a très bien pu euh, bon, il en a souffert hein, quand même sur la croix et tout mais il, il, il s'en est bien sorti parce qu'il est ressuscité et ça a passé amen alors que nous si la colère de dieu elle tombe sur nous là je ne pense pas qu'on va s'en sortir pareil amen L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, un hein? seul est bon, votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est vers lui qu'il faut vous tourner pour avoir des dons et, et tout ça. Amen. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Voilà. Voilà ta vie. Ta vie, c'est de l'herbe. Ça ne reste pas longtemps vivant de l'herbe. Hein? L'homme fleurit comme la fleur des champs. Il est beau, mais après, il se flétrit. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. La fleur des champs, le vent quand il passe sur elle, euh, bah les, les pétales sont enlevés, elle est, euh, elle n'est plus. Voilà, euh, la beauté n'est plus. C'est la même chose pour nous. Quand notre vie, elle passe comme un vent, parce que notre vie ici-bas, elle passe assez rapidement. Euh, bah, on se flétrit puis on meurt, on n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Donc l'Éternel tu es entré dans une euh, relation avec lui et dans une alliance avec Dieu. Il faut bien te mettre ça dans la tête. Pour avoir la vie éternelle, parce qu'il t'a rien promis de plus. Il ne t'a pas dit que tu aurais une épouse, un foyer, euh, un compte en banque bien rempli, un travail. Il t'a rien dit. Tu sais même pas quelle vie te réserve Dieu dans l'immortalité, finalement. Parce que il t'a dit qu'il te donnerait la vie éternelle. Mais il ne t'a pas dit dans quelles euh, circonstance. Ah ben oui, ah, ah. il ne t'a rien promis de plus. Euh, le Seigneur a donné une parabole, parabole de la vigne. Il y a des ouvriers de la première heure, de la deuxième heure, de la troisième heure, de la dernière heure, et ils sont tous payés un denier. Donc tous la vie éternelle. Mais après ta vie éternelle, même mon fils de 13 ans, il me l'a dit il y a pas longtemps, il a dit "Maman, le Seigneur il nous promet la vie éternelle, mais dans quelles conditions finalement Parce qu'il nous a rien promis de plus. Il a quand même dit qu'on aurait des projets de bonheur, mon fils." Te ferais-tu du, du souci? On ne doit pas se faire de soucis de cheveux blancs. Amen. Parce que Dieu est bon. Parce que tu as peur de vivre une éternité, tu as peur que Dieu te fasse du mal. Dieu n'est pas le diable, hein? Amen. Mais voyez, même un enfant est capable de, de réfléchir, de discerner, de discerner les choses. Amen. Donc vous êtes entré dans une alliance, et pas n'importe quelle alliance, parce que ce n'est pas l'alliance de la circoncision. L'alliance de la circoncision, c'était une alliance de la chair. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne que vous pouviez toucher. Là, vous vous êtes approché du Mansion, donc de la Nouvelle Jérusalem, de l'Éternel des armées, le roc de votre salut. Vous, vous êtes approché du Consolateur, l'Esprit de feu, qui peut te, te dévorer en une fraction de seconde, comme les enfants d'Aaron. Donc, n'apportez pas un feu étranger, un zèle étranger. Amen. N'apportez pas un zèle charnel, un zèle, un zèle religieux. Apporter le zèle de Jésus Christ. Il faut que Dieu vous reconnaisse comme, comme étant son Fils, parce qu'il a fait grâce qu'à Jésus. Si vous êtes un membre du corps de son Fils, c'est bon. Vous pouvez passer le Dieu de vérité, Amen, le Dieu véritable sans crainte, parce qu'il a fait grâce à Jésus. On est cohérité de Jésus, c'est par les mérites de Jésus qu'on sera sauvés. Vous êtes dans une alliance nouvelle et éternelle faite au moyen du corps et du sang du Fils de Dieu. Donc c'est pas n'importe quoi, amen. Il faut vraiment considérer ça. Et vous êtes dans une alliance. Ça veut dire que toute votre vie, même votre vie éternelle, vous êtes dans une alliance d'obéissance et de service à Dieu. Donc le jour où tu veux plus, où tu veux plus être en alliance et, être, et servir Dieu, bah, c'est toi-même qui pouvoir d'arrêter ton immortalité. Comme Satan, le diable, il a fait. Il s'est rebellé euh, après des siècles de service. Euh, vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de Dieu, amen. C'était un ange, un chérubin, euh, qui avait plein de pierres précieuses sur lui, qui travaillait pour le Seigneur correctement, qui chantait des louanges merveilleuses, amen. Mais deux jours au lendemain, il a trahi l'alliance qu'il avait entre lui et Dieu parce qu'il s'est rebellé, monsieur, puis n'a plus voulu obéir et servir. Donc sa grâce s'est arrêtée, il a été jeté sur la terre. T'as la vie éternelle mais ton éternité peut s'arrêter le jour où tu te rebelles et que tu désobéis, parce que tu es dans une alliance. Depuis ton baptême, tu as signé un contrat avec Dieu, tu t'es engagé vis-à-vis -vis de Dieu, de travailler pour le Seigneur, de lui obéir et de, 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 de laisser agir sa volonté sur ta vie. Donc c'est n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui vit. Amen. La bonté de l'Éternel, donc sa grâce, qui nous suffit pour toute l'éternité même, elle dure à jamais pour ceux qui le craignent. Donc, faut continuer à jamais de le craindre. Amen. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Si tu crois, ceux de ta maison seront sauvés. Donc, si toi, tu es sauvé, les gens de ta maison sont sauvés, tu n'as pas de crainte à avoir là-dessus. Et les enfants de tes enfants, ben, si tu toujours dans la miséricorde à jamais, ils auront aussi la miséricorde. Amen. La bonté de l'Éternel dure à jamais aussi pour ceux qui gardent son alliance. Il faut garder cette alliance. Amen. Et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Donc on, on doit s'en souvenir maintenant. Là on est dans l'exercice, donc on a le droit à l'erreur. D'accord Par contre, le jour où on entre dans le jardin d'Éden, bon, ça sera quand même plus aisé, parce qu'il y aura plus de démons pour nous tenter, il y aura plus tout ça. Puis on va être dans des corps parfaits qui aiment faire le bien, qui ne peuvent pas se corrompre. Amen. Donc, tu as, as quand même toutes tes chances de garder à jamais l'alliance de l'éternel. Amen. Mais attention, parce qu'il y a quand même un démon parfait, un ange parfait, le diable, qui est devenu un, un démon rebelle. Il nous a donné, le diable, un modèle un modèle de ce qu'il ne faut pas faire quand tu es dans les cieux avec Dieu. Te rebeller contre Dieu, lui désobéir, lui tenir tête, et puis détourner d'autres frères et sœurs, parce que tu risques de te retrouver vite fait, et bien fait, euh, jeté. Et si tu es jeté, parce que Jésus m'a révélé, hein, si es jeté, si jamais ça arrive, que tu ne veux plus garder l'alliance, que tu te rebelles, que tu fais comme Satan, bah, tu seras, euh, ton âme, elle va quitter ton nouveau corps, ton nouveau corps restera au ciel. Et euh, ton âme, elle retournera dans ton corps que tu as, que tu as jeté là, que, que Christ t'aura débarrassé. Elle retournera et dans la Gn, tu seras jeté dans la Gn éternelle. Donc dans, dans ton ancien corps, Amen. Tu retrouveras ton ancien corps avec tes tout, avec le salaire de ton péché, tout ça, Amen. Et le nom sera effacé du livre de vie en prime, dit l'Éternel euh, dans mon esprit, Amen. Que la paix soit avec vous, dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit, mangez, mangez à mes paroles les enfants et gardez-en pour votre prochain. Amen. Bon, L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Là, c'est comme si on était en train de manger ensemble, hein, au repas euh, de nos âmes. On mange à la table du Seigneur. Amen. On ne mange pas à la table des démons. Et on doit en garder ben, pour ceux... Euh, pour ceux qui veulent bien entendre la parole, Amen. Mangez avec nous la parole de Dieu, la parole spirituelle, Amen. Donc, euh, la bonté du Seigneur dure à jamais pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, ouais, depuis toujours, hein, et euh, sans gros trou de blanc, là, il redescendra quand même sur terre au moment du jugement des nations. Des nations charnelles, parce que nous on n'est plus une nation charnelle, nous on est une nation, on est des hommes, des femmes pris de toutes nations, on est le peuple de Dieu, mais on est un peuple spirituel qui vit en esprit, on est des âmes. On n'a plus rien à voir avec la chair et on n'est pas une nation parce qu'on est, on est un peuple formé de toutes de toute personnes, des nations, de toutes langues, toutes tribus, etc. Bénissez l'éternel, vous ces anges. Donc, bah, puisqu'il est là, bénissons le Seigneur, bénissez-le dans vos esprits. Amen. Amen. Moi, je l'ai béni dans mon esprit parce qu'il est, il est avec nous. Là où on est ensemble, il est au milieu de nous, il peut nous entendre, mais euh, euh, il est préférable de parler au Seigneur avec l'âme, avec vos pensées. Bénissez l'éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force. Vous êtes puissants en force, hein? Vous êtes déjà des anges de Dieu parce que le, le Seigneur vous voit comme ça. Si tu es une âme, donc tu es un esprit, donc tu es un ange. Et il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, donc on doit plus rétablir la chair en disant une femme ne peut pas prêcher, un homme doit faire ceci, cela, ça c'est la chair, ça c'est les charnels qui parlent comme ça. Et on exécute ses ordres, parce que même si on est un ange du Seigneur, on ne peut pas. Euh, agir selon notre volonté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit, c'est le Seigneur qui vit en moi pour l'éternité. Les anges, bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'ai repris la sœur, alors je sais que ça n'a pas plu forcément à certains d'entre vous, mais je le redis. Je ne prends pas la sœur pour l'accuser ou la, 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 la troubler. Je la reprends parce qu'il faut la reprendre, parce qu'elle a un exemple de péché dans l'Église. Euh, on est les anges du Seigneur, ce n'est plus... Nous qui vivons, c'est le Seigneur qui vit. Donc de parler contre les anges de Dieu, c'est parler contre Dieu lui-même. C'est du blasphème qu'a fait cette sœur. Tout en pensant que c'est de l'humour. Peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, mais elle mérite d'être prise. Et sévèrement. Ce n'est pas une question de colère, c'est une question d'être sévère. Ça, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça, les amis. Ce n'est pas possible. Il y a des enfants, certes. Mais nous, on doit reprendre les enfants. Quand on est bien infirmier, on est des adultes et on corrige les enfants. Amen. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Donc nous, les anges du Seigneur, on le bénit. On est puissant en force parce qu'on est... Vous ne savez pas quel, quel esprit vit en vous. Vous, vous êtes ignorant. Moi, quand j'ai fait des sorties de corps, <laughs> j'avais des, des, des pouvoirs incroyables. Des pouvoirs incroyables. Même Superman, à côté de moi, il a perdu. Et, euh, et je savais même pas les, les contrôler. Je savais même pas bien m'en servir. Et, euh, et c'est fou, ça. J'avais juste à penser à un truc. Poum, ça arrivait. Euh, je pensais à des lasers. J'en ai eu dans les mains. J'ai pensé à être une tornade. Je me suis transformée en tornade. Vous savez pas quel esprit vous habite. Mais vous êtes des des, des invincibles, là. Amen. Hein, Seigneur c'est pas des invincibles c'est des indestructibles. Vous êtes des indestructibles. Ce que j'ai pensé au dessin animé. Ah, c'est pas les invincibles. D'accord. C'est les indestructibles. Ok. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Les invincibles. Voilà autre chose. Donc vous devez obéir à la voix de sa parole. Et qui est la parole de Dieu? Jésus Christ. C'est à Jésus que vous devez obéir. Donc vous n'avez pas à obéir au judaïsme. Puisque Jésus a accompli le, le judaïsme, il a accompli la loi. Il n'a pas accompli la secte du judaïsme, hein, parce que le, la doctrine des Juifs, il en a rien à faire. Jésus, Jésus, c'est le Messie, et, euh, et Jésus, euh, il a fait un mouvement euh, avec des disciples, des gens libres, libres de toute religion et secte. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Donc, ces armées, elles sont où Elles sont au ciel, mais il n'y en a pas qu'au ciel. L'Éternel, il a des armées. Euh, des armées de vent, des armées de grêle, des armées d'anges, des armées de mouches, des armées de grenouilles, des armées de démons. Ah oui, est-ce que l'Éternel peut envoyer un démon dans ton cœur, un esprit d'égarement, comme il l'a fait avec Saül hum, C'est l'Éternel qui a mis dans le cœur de Saül un démon. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur Quand on vous dit que le diable il est vaincu, il est vaincu. Hein moi, je ne crains pas Belzepopo parce que je sais que Belzeb il a peur de moi. Hein je l'ai mis au défi, euh, euh, cette pédale de vélo, il n'est même pas venu le matin à me gifler. Eh hein. ouais J'ai pas peur des, euh, des serpents et des scorpions. J'ai un espèce de sorcier qui est venu ce matin en me disant Éternel, euh, tiens, je te le remets entre tes mains, celui-là, je l'ai lié, là. C'est un sorcier, ça. Il m'a dit qu'il pratiquait je ne sais pas quoi comme sorcellerie, enfin, une sorcellerie occulte. Pour eux, plus c'est vieux, plus c'est meilleur. Eh, hey, euh, si c'est pas parce que plus c'est mieux, plus c'est meilleur. Alors c'est parti comment C'est parti du fait que j'ai partagé un truc, puis il a laissé un commentaire en disant que euh, Enki, euh, la religion des Sumériens, c'était la vraie religion. Mais je lui ai dit gars, euh, ici je ne parle pas de religion moi. Hein euh, ouais, mais la religion des Sumériens, c'est la plus ancienne et patati et patata. Ah, si tu veux. Mais euh, moi je sais que c'est pas la plus ancienne les Sumériens parce que la plus ancienne c'est l'Égypte, l'Égypte antique. Puis après tu as Babylone et à Babylone tu as les sumériens et tu as les Mayas. Ensuite tu les Grecs et euh le gréco-romain, parce que dans la même foulée, là les uns vont copier les autres, les Romains vont, vont piquer les trucs aux Grecs, puis entre tout ça, tu quand même des petites sectes et d'autres branches et tout ça. Puis t'as le judaïsme aussi là-dedans, en même temps que, que les Grecs, là, as le judaïsme. Parce que la déesse Diane, euh, c'est un, un temple d'idole que, que justement certains juifs évitent. Hein. Euh, Paul, elle a été prêchée hein, dans, dans les... Pas dans le temple de la déesse Diane, mais en dehors des temples de la déesse Diane et tout ça là, donc euh, de Lucifer. Donc je, sur un ordre chronologique dans ma tête c'est clair quoi. Et le gars, euh, il me soutenait, il me soutenait. Va regarder Wikipédia, va ceci, va cela. J'ai été chercher. Euh j'ai été chercher les choses, j'y ai montré, j'y ai montré la vérité, j'y ai montré son erreur. Alors d'après ça, euh, il m'a harcelé, il m'a laissé au moins 100 messages éternels, au moins 100 commentaires. Euh, et puis il essayait de m'énerver en disant, les, je suis pas comme toi, quelqu'un qui croit aux anges. C'est pareil, il s'attaquait aux anges. Mais j'ai dit, les anges, euh, les anges, ils ont, ils ont rien à faire de toi. Toi, tu es en, en bas sur terre, eux, ils sont au ciel. Donc, euh, laisse les anges dans la gloire et toi, reste dans tes ténèbres. <laughs> voilà. Et puis... Euh, et puis il voulait faire de l'occulte sur moi. Eh J'ai dit fait, tu recevras selon ta méchanceté, mais je l'ai lié, hein, éternel, je l'ai lié. Pfff, sacré clampin, là, une sacrée mouche encore, ça fait. L'esprit vraiment de l'antéchrist, il est dans, dans, dans énormément, énormément de gens. Énormément de gens, je vous assure. Cette personne, il me dit, je suis laïque. Mais je pas laïque puisque tu défends la religion d'Enki. De c'est ta croyance, tu me l'as dit. Donc euh, ne dis pas que, que tu es laïque. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui raisonnait mal, qui raisonnait, euh, qui raisonnait même pas intelligemment. Euh, après, il, il, il me laisse un commentaire en disant... Euh, en gros, il m'accuse que c'est moi qui aurais dit que c'est pour la sorcellerie et tout ça, alors que j'ai jamais rien dit tout seul, mythomane. C'est lui directement qui a dit qu'il allait qu faire de l'occulte, mais il, re, il retournait le truc sur moi, tu vois, pour, pour essayer de m'accuser. Mais... Euh, on les a déjà vaincus ces personnes-là parce que quand à l'Évangile de vérité, toute leur doctrine de mensonge elle est détruite. Et ils supportent pas qu'on vienne détruire leur doctrine de mensonge parce que euh, c'est les ténèbres. Quand tu viens éclairer leurs ténèbres, ils ont l'habitude de leurs ténèbres. Tu viens les déranger dans leurs bonnes habitudes, tu comprends Donc euh, c'est terrible, c'est terrible. Mais aujourd'hui les gens, euh, euh, ils arrivent plus, euh, ils arrivent plus à être en paix, ils arrivent plus à avoir de béninité. Ils sont euh, il faut qu'ils viennent mettre leur nez dans les affaires des autres. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Nous, on vient mettre notre nez dans les affaires du monde parce que le Seigneur nous envoie. Amen. Mais euh, les gens du monde, euh, ils viennent même sur des lives chrétiens, tout ça, juste pour dire que la Bible, elle est fausse et que voilà. Alors qu'ils sont laïcs, ils croient pas en Dieu. Enfin, c'est ce qu'ils ce qu prétendent. C'est le démon qui les envoie. Ce sont c des pécheurs qui ne sont pas convertis. Il, il, le démon n'est pas sorti de... Le, 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 ils sont toujours esclaves de l'esprit de démon. Donc le démon peut nous les envoyer. Le diable envoie des flèches enflammées. Donc des fils du malin. Ils ont pour père le diable. Ils sont les fils du malin. pas Ils sont pas nos ennemis hein, de chair et de sang. Mais c'est les démons qui y a en eux qui sont nos ennemis. Amen. Et je lui dis, je lui dis pourquoi tu veux me faire de l'occulte au-dessus de la sorcellerie, du coup, puisque... Euh, si, si euh, j'ai tort, qu'est-ce qui t'arrive Je croyais que euh, que j'avais tort finalement. C'est que tu te sens euh, tu te sens ridicule quoi parce que crois-tu menaces de me faire de la sorcellerie dessus si je me suis trompée vis-à-vis -vis de toi en quelle en quelle raison gratuitement donc non c'est parce qu'il était euh, il était en colère que je l'avais remis dans la vérité j'ai enfin que j ai montré la vérité parce qu'il n'a pas accepté hein, la vérité Seigneur Amen donc, bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc, euh, on va reprendre le, le, le psaume 68. Il faudrait le montrer quand même à certains pasteurs parce qu'ils n'ont pas l'air d'être au courant. Euh, ils lisent pas la Bible. Hein. Ils en doctrinent selon, euh, selon leur propre chef. Mais quand Jésus-Christ va venir, ben, Jésus-Christ leur demandera des comptes. Amen. Moi, Jésus, il me l'a dit, le Seigneur, amen. Il euh, y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Jésus a combattu le judaïsme. Il a combattu les pharisiens, il a combattu les sectes, il ne combattait pas les gens de, de mauvaise vie, de, péch de péché, il allait manger avec eux, mais il a combattu les pharisiens. Quand les pharisiens y ont posé des questions captieuses, Jésus leur a posé une seule question et il leur a fait fermer leur bouche. Parce que Jésus fait fermer la gueule des lions qui cherchent à nous dévorer, à nous déchirer. Et les pharisiens cherchaient à dé dévorer le Seigneur, ce qui voulait tuer le Seigneur. C'était des lions, hein, c'était des, des, des démons, hein. Amen. Euh, Jésus il le dit dans le psaume 22. Attendez, on va, on va prendre le psaume 22 avant. Euh, ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion, donc semblable au diable, qui déchire et qui rugit. Ils se sont moqués du Seigneur, euh, ils ont fait des faux témoignages, et puis ils voulaient tuer le Seigneur et tout ça. Euh, des taureaux de bassin m'environnent, en donc des bêtes, c'est même plus des hommes. De nombreux taureaux sont autour de moi. Eh ouais. <laughs> Des chiens m'environnent, une bande de rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains, donc c'est ses mains, hein, c'est pas ses poignets. Des temps passants comme ça pour établir aussi cette vérité-là. Je les rétablis plusieurs fois, mais faut, faut encore hein, que ça rentre dans la tête pour casser toutes les doctrines. Hein. Oui, c'est un médecin légiste qui a dit que euh, un ancien médecin avant, il faisait n'importe quoi avec les cadavres et ils font toujours n'importe quoi avec les morts parce qu'ils n'ont pas de respect ces gens-là, hein, ces gens du monde. Euh, c'est un médecin légiste qui a dit que Jésus-Christ ne pouvait pas être cloué par les mains parce qu'il serait tombé de la croix. C'est l'amour pour nous qui retient notre Seigneur sur la croix et ce n'est pas les trois profs des fins clous euh, émoussés et rouillés des Romains. D'accord euh, Être un cadavre pendu euh, par la crucifixion, c'est très très différent que d'être un corps vivant. Jésus n'est pas mort sur la croix, ce pas un cadavre. Jésus il a sa chair vivante, donc les nerfs sont là, les muscles sont là et euh, tes nerfs ils fonctionnent encore un petit moment même après que tu es mort, tu peux bouger encore et tout ça, donc euh, euh, un cadavre il est en putréfaction, sa chair elle se détruit, elle est moins solide, donc tu m'étonnes que les, quand tu perces les mains d'un cadavre ça tombe, c'est sûr et certain qu'il tient pas sur la croix, mais euh, quand tu perces les mains de quelqu'un de vivant il tient. C'est très très différent. Les, les muscles sont là, les, les, la chair elle est solide. Euh, c'est pas pareil que la chair qui se déchire et qui, 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 commence, qui commence déjà à, à, à pourrir. est-ce que tu pourris très vite hein, quand tu es un cadavre. Euh, ton sang dans tes veines sèche, euh, tout ton corps, toutes tes veines te, se relâchent parce que bah, le sang c'est quand même ce qui nous. Euh, le, 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 le muscle, le cœur il pompe le sang et tout ça. Donc le sang c'est quand même euh, euh, ce qui fortifie nos muscles et tout ça. Là, s'il n'y a plus d'énergie dedans, voilà. un cadavre il se relâche hein. donc là tu m'étonnes que la chair tu à la déchirer facilement mais un vivant tu le tu le coupes pas comme ça un vivant hein. euh, faut déjà y aller quand même et Jésus les vivants sur la croix c'est pas un cadavre il sera un cadavre mais dans le tombeau et encore il sera même pas un cadavre j'ai pas le droit de dire ça euh, mais je le dis pour que vous compreniez les choses Jésus n'est même pas un cadavre dans le tombeau parce que Jésus n'a pas toutes les pourritures de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a pas de péché. Donc la mort, elle ne peut pas le prendre. Elle ne peut pas pourrir son corps, mettre des asticots dedans et tout ça. Et euh, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Non. Voilà. Donc, euh, on est les œuvres de l'Éternel. On est son œuvre. Parce qu'il nous, il nous recrée. Il nous fait naître de nouveau. On est ses créatures. Amen. On est son Église. L'Église est une femme. Donc si la femme n'avait pas le droit de prêcher, mon Dieu, pourquoi tu as appelé l'Église comme ça L'Église est une épouse. Pourtant, elle est le corps de Christ, qui est de sexe masculin. Mais ce corps nous est donné, l'enfant nous est donné, pas donné à Marie, il est donné à nous. Donc c'est notre corps à nous, c'est notre maison l'Église. Amen. Et cette Église, elle fait qu'une seule chair, elle est l'épouse, elle est, elle est considérée l'épouse de Christ. Elle fait partie de l'épouse de Christ. Amen. Parce que vous êtes des enfants. Les enfants sont mis dans l'épouse. Dans la femme enceinte. L'homme, il féconde cette femme. Donc vous êtes dans le sein de la, de la nouvelle Desmère, dans le sein de la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc, psaume 68, verset 12 Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonne nouvelles sont une grande armée, parce que vous êtes nés de nouveau. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, cependant vous êtes l'épouse. Donc vous êtes tous des messagères de bonne nouvelle, de l'Évangile. Et on est une grande armée, donc bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, on est l'armée de l'Éternel, l'Éternel des armées. Et il nous a fait entrer dans les ordres des anges, Amen, sous la loi, euh, sous la loi non des hommes dans le monde, mais sous la loi de son royaume, la loi royale, qui n'a que deux commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces, donc obéis-lui, sois reconnaissant, et aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, c'est que tu as prouvé que tu aimais Dieu, que tu as obéi à Dieu parce que tu vas pas aimer les hommes pour les hommes. Tu vas aimer les hommes parce que Dieu t'a demandé de les aimer. On se doit rien que de s'aimer les uns les autres. Et euh, je t'aime quand je viens t'apporter la vérité, quand je viens te réveiller, je t'aime même si je le fais euh, pas toujours euh, euh, même si tu me colles une étiquette de pas gentil ou de je sais pas quoi, euh, même si je le fais peut-être pas correctement, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je je, je, je je suis peut-être quand même déjà un peu plus gentille qu'Elie. Ellie, euh, il y avait des enfants, il y avait 42 enfants euh, qui lui disaient le chauve, le chauve. Oui, il n'avait pas de cheveux, Ellie. Il était chauve. Ellie s'est retournée. Il a dit un truc par rapport au Saint-Esprit. Il y a deux ours qui sont qui qu'on déchiré les enfants. Donc, euh, certes, la sœur Avril, elle n'est peut-être pas gentille. Elle a du, du sel. Et peut-être que parmi vous, certains se reconnaissent comme la sœur Avril. Peut-être qu'on a ce défaut-là, qu'on est des grognons. On fait partie de la famille euh, céleste. On est, euh, est l'équipe grognon, nous. Oui, ça, c'est vrai. On est l'équipe grincheux. Ah, je suis grincheux, moi. Euh, je suis, des, fois, des fois, je suis grincheux avec le Seigneur. Hein. Vous, avez, vous avez eu un aperçu il y a quelques jours. Je me suis disputée en live avec le Seigneur. J'étais en état de ne même plus faire de, 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 de choses. Mais le Seigneur me connaît. Le Seigneur, il sait. Il sait mes problèmes d'abord, tu ne sais pas quelle vie j'ai eue pour être comme ça, pour avoir des gros problèmes de colère comme ça. Moi, j'ai des gros problèmes émotionnels et de colère, d'accord Le Seigneur, je suis malade, je le sais. Mais le Seigneur, il m'utilise, même si, même si je suis malade et tout ça, parce qu'il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je peux faire. Et croyez-moi, les enfants, je suis quand même déjà beaucoup plus gentille et beaucoup moins pointilleuse que l'Éternel lui-même ou que son serviteur Élie. Amen. Donc on doit s'aimer les uns les autres et je t'aime, je t'aime quand je viens te dire les choses. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est pas de la méchanceté. Il faut arrêter de voir le mal. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si tu vois toujours des ténèbres avec tes yeux, arrache-le. Moi, je vois, je vois des gens à exhorter, je vois des gens à corriger, des gens à reprendre parce que le Seigneur, il arrive et ce n'est pas des blagues, les amis. Ce n'est pas des blagues. Le Seigneur, il blague pas. Le Seigneur, on ne se moque pas de lui. Amen. Et. Euh, tout ce que j'ai repris, peut-être, je passe pour une méchante, mais j'en ai rien à foutre Tu regard des gens. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour me faire aimer des hommes, je suis là pour que, euh, faire mon travail, pour que Dieu dise Avril, tu as travaillé, c'est bien. Tu as travaillé comme je le demandais. Entre dans ma joie, fidèle, fidèle servante. Amen. Ah, j'ai des défauts, mais le Seigneur vient chercher des pécheurs. Amen. Donc, euh, peut-être le Seigneur laissera passer mes défauts. Amen. Alors, les amis, on va euh, prendre, peut-être, peut-être, Dieu, tout est possible. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Boum Ça, ça veut dire, je suis là, je suis avec vous, j'ai bien entendu, Avril, c'est bien. Continue, je suis là. Ça, quand le Seigneur, il fait un clin d'œil comme ça derrière, un clin d'œil, j'appelle ça, moi. Boum je dis une phrase, poum, juste derrière, il montre qu'il est, euh, je suis son associé. Ce n'est pas, pas lui mon associé, C'est pas lui qui m'assiste, si je suis son associé, je l'assiste. Il est d'accord avec ce que j'ai dit. Amen. Le Seigneur ne me, me reprend pas. Si le Seigneur me reprend pas, c'est que j'ai pas mal fait. C'est que j'ai pas mal fait. Amen. Alors, on va prendre Jean 15, les petits choux. Jean 15. C'est important de bien vous nourrir de la parole de Dieu, parce que vos yeux, là, vos yeux sont tournés vers la face du Seigneur. Parce que là où le, le Fils a fait connaître le Père, et dans le Fils, il y a l'Esprit du Père. Parce que le Fils, tout ce que fait le Fils, c'est la pensée de Dieu qu'il manifeste en parole et en œuvre. Donc quand vous lisez le Saint-Évangile, vous vous approchez du Saint-Esprit. Le Saint-Évangile, là, vous donne du zèle, du zèle pour travailler pour le Seigneur. Il vous rend, c'est du carburant en vous. Amen. C'est le feu de Dieu qui, qui, qui va... Qui va vous remplir comme une lampe. Amen. Donc, euh, c'est très important de faire des temps d'études, et bien des temps d'études, pas des simples lectures, hein, de vous arrêter sur chaque verset. Mais il faut louer l'Éternel euh, et lui demander de vous aider à comprendre sa parole, parce que sa parole a un sens caché. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est le Père qui a rempli notre coupe des noces de l'agneau, du sang de l'agneau. Et Jésus, c'est son corps, le cep, dans lequel il y avait le sang. Jésus a été brisé, et c'est pour, euh, pour nos péchés, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sans l'effusion de son sang, il n'y a pas de pardon. Donc tu peux prier tant que tu veux, être sectaire et religieux tant que tu veux, faire tous les dents du monde si tu veux. Euh, sans le Christ, tu n'es rien. Tout sarment qui est en moi, donc on n'est pas grand-chose, on est des brebis. On est des sarments Donc des comme nous, il y en a plein. Mais des comme Dieu, il n'y en a qu'un. Tu peux pas t'amuser à perdre la relation de Dieu. Donc vaut mieux te faire gronder un petit peu par les frères et sœurs, puis revenir sur le chemin de la vérité dans la lumière, que de rester dans, la, dans les ténèbres avec des hypocrites qui te diront ce que tu fais, c'est bien, euh, ouais, continue. Euh, parce que je suis désolée, mais euh, la nana, là, euh, qui, qui, qui blasphémait l'ange de Dieu, là. A, elle a eu quand même 21 cas de, de likes. Personne l'a repris. Je ne peux pas croire que c'est tous des aveugles. Moi, je ne peux pas liker ça. Moi, j'arrive, je, je la reprends et je la gronde. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le père, le vigneron, le retranche. Donc, le Père te rejette. Jésus est le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Le Père et lui sont un. Donc, Jésus te rejette. Si Jésus te rejette, c'est que Jésus te met un esprit d'égarement. Il t'envoie plus clairement, je vais t'expliquer, un démon ou alors une malédiction. Parce qu'il veut que tu dégages, t'es retranché, t'es répudié. Tu n'es plus son enfant, il ne te reconnaît pas comme son enfant, il ne te connaît pas. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte. Donc, qui t'éprouve, pour te faire passer des épreuves. Si t'es pas éprouvé, bah fais-toi du souci. Si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie, euh, euh, que tu n'es pas combattu par les démons, que le Seigneur ne te met pas à l'épreuve. Moi, le Seigneur m'a mis plein de fois à l'épreuve. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais Ah, je me lamentais comme Jérémie, hein. Jérémie le prophète. Les lamentations, il nous a écrit, Jérémie le prophète. Dieu ferme accès à sa prière. Ah, une fois, une fois J'étais au-dessus de la montagne. Mais il m'a mis un bon coup de pied, je l'ai déroulé la montagne. Y a un seul maître, et je vous assure que vous n'êtes pas en train de servir le monde là. Vous n'êtes pas en train de servir des hommes, un homme, euh, un homme, euh, qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'un démon Tu peux, euh, tu peux le faire taper par d'autres hommes, un démon, euh, tu peux le chasser. Euh. Oh qu'est-ce que c'est que ça Ça c'est pas des ennemis valables ça. La mort, la mort c'est mon pire ennemi. La mort elle peut me tuer, ouais la mort elle peut m'emmener, elle, elle me lâchera pas. La mort c'est mon pire ennemi, mais le diable. Le diable qui est vaincu par Christ, c'est la rigolade. Enfin, la mort aussi, elle a été vaincue par Christ. Les hommes, les microbes, qu'est-ce que c'est que ça C'est pas des ennemis valables, ça. Il euh, y a toujours un moyen de, de combattre ces ennemis-là. Mais là, vous vous êtes approché du Saint-Esprit. Vous, vous êtes approché du Dieu, de l'Éternel des armées, du Dieu vivant qui est un feu dévorant. Et il compte bien. Vous aimandez pour vous faire porter encore plus de fruits, donc vous faire travailler encore plus que ce que vous faites déjà. Ah oui Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée, donc à cause du Christ qui a parlé. Les apôtres, ce n'est pas leur parole qu'ils ont prêché dans le monde. On n'est pas de Paul, ni d'Apollos, ni de Pierre. On est de Jésus-Christ, on est des disciples de Jésus. On a été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc de Jésus-Christ. Amen On est des disciples, on n'est même pas des chrétiens. Et on est pur à cause qu'il a parlé, le Seigneur. Il a parlé dans notre vie. Le Fils de l'homme avait pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il suffisait qu'il le déclare. Et il vous a donné son Saint Évangile. Donc quand vous dites Seigneur, Seigneur, c'est que vous avez reçu le Saint Évangile et le baptême, c'est le minimum. Mais si vous dites Seigneur, Seigneur, et que vous avez soi-disant la foi sans les œuvres, vous êtes mort, parce que vous devez faire des œuvres, mais encore plus après. Écoutez-moi bien, les amis. Parce que ça, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, le Seigneur me fait vous le redire. Les anges du Seigneur là-haut, les saints anges de l'Assemblée de Dieu. Ils se prosternent devant le Seigneur, ils s'inclinent devant le Seigneur. Avec une salutation respectueuse. prononcent même pas un mot. Amen. Ces anges-là. Le Seigneur, il y, a, il y a certains anges comme ça, là, qui, il les a envoyés faire une corvée. Il, le Seigneur les a envoyés ramasser les excréments, vous entendez ce que je suis en train de dire, des enfants qui ont été violés, torturés, les infanticides et tout ça. Quand tu un ange, le Seigneur te donne une mission, et même si elle ne te plaît pas, tu dois fermer ta bouche et l'accepter. Aller ramasser des excréments, moi j'aimerais pas trop faire ça. Mais si, si le Seigneur t'ordonne ça, tu pas le choix, tu dois le faire. Pourtant, les anges nous sont supérieurs parce qu'ils sont déjà là-haut. Amen. Enfin, ils nous sont supérieurs. On est quand même nés de nouveau, puis on est en route pour être transformés. Mais notre transformation, on sera changé en un clin d'œil, en un instant, en la même image que notre Seigneur. Il a des ailes. Amen. Euh, comme dit le psaume 91. Si tu cherches l'éternel, ben il te, te couvrira de ses plumes. Amen. Il a des ailes, voilà. Donc, on sera changé à la même image, on sera des anges. Mais on est déjà en route pour être des anges. On est des anges en cours de téléchargement, en fait. <laughs> en cours de changement. Mais le Seigneur, il peut te demander des choses comme ça, que tu t'y attends pas. Parce que ça sert à ses desseins. Les anges, là, ils ont ramassé des paquets de merde. Des paquets de merde. Parce que ceux qui ont tué ces pauvres gosses, là, ils vont baigner dans les excréments de ces enfants-là pour l'éternité. Vous voyez quel Dieu en sert là, un Dieu qui, qui lui dans sa tête, il sait quelle punition d'infliger. Et crois-moi, il fait les choses bien. Il fait les choses très bien, même mieux que ce que nous on ferait. J'ai euh, des, euh, des démons qui sont qui ont tapé ma fille là. Je ne sais pas s'ils sont venus ici. Non, je ne pense pas qu'ils sont venus ici parce que le Seigneur m'a montré que c'était une histoire de de de, de Voilà. Ma fille était comme liée, elle pouvait plus bouger son corps. Puis elle a pris des, des revers et des revers le matin dans la figure. Elle disait sans de l'agneau immolé, fin du monde et tout ça. Et là, ça fonctionnait pas. Et des, les, les démons continuent à la taper ou une sorcière à distance. Voilà, elle a pris des gifles. Et euh, on a remis dans les mains du Seigneur, amen. Et le Seigneur notre Dieu a envoyé des anges arrêter ceux qui avaient fait ça. Et ceux qui ont fait ça, là, ils sont dans les prisons célestes, amen. Et tous les matins, tous les matins, jusqu'à ce que ma fille soit sortie du monde, euh, ils se font réveiller en prenant des revers dans la figure. Amen. Et ils se font torturer régulièrement dans la journée. Amen. Et euh, le Seigneur, il a dit, tant qu'ils n'auront pas demandé pardon à ta fille, tant qu'ils ben, ne vont pas mourir dans les tortures, euh, le Seigneur ne les fera pas mourir, mais finiront par, par en mourir. Ils finiront euh, par être euh, ressuscités et jetés jetés dans la, dans la géhenne ardente. Ils, ont, ils auront un sacré châtiment. Amen. Le Seigneur notre Dieu donc, veut nous voir travailler, il nous émonde, il veut nous voir porter des fruits. On ne s'est pas approché d'un homme, on s'est approché du Dieu vivant, qui est tout en tous. Le Seigneur notre Dieu n'a pas de visage. Il n'a pas de visage parce que certes, il est le Père euh, des hommes, mais il est le Père aussi des créatures, des anges est à son image il est le père aussi du soleil il est le père aussi de la terre il est le père il est le père de toutes choses et toutes choses est à son image amen donc quel visage a l'esprit de notre dieu aucun finalement aucun parce qu'il il est tout en tous il se reconnaît euh, il se reconnaît tout en tous amen donc on ne doit pas se moquer les uns les autres on doit s'aimer les uns les autres et on doit travailler les uns pour les autres il n'y a pas de mal à dire une vérité. Hein. Si quelqu'un se prostitue, il faut lui dire Hé, hey, c'est mal de se prostituer. S'il y a quelqu'un qui est dans le péché, on doit reprendre notre prochain. On ne doit pas le reprendre euh, publiquement, mais il euh, y a des frères et sœurs qui déconnent vraiment et qui sont des modèles pour toute l'Église de ce qu'il ne faut pas faire. Donc on doit donner des témoignages, on doit montrer ces frères et sœurs-là. Amen. Donc déjà, vous êtes purs à cause que Dieu l'a déclaré. Et euh, bah si, si Dieu déclare que vous êtes pur, mais vous vous, vous, vous ressouillez derrière, vous ne péchez plus cette fois avec la chair, parce que vous êtes mort à la chair, mais vous péchez avec votre âme, avec votre esprit. Donc, la, la, dans l'ancienne la, dans vie, vous péchiez. Jésus vous a fait abandonner votre ancienne vie. Dans la nouvelle naissance, vous péchez encore. Et vous, vous espérez le salut tout en péchant Non. Ce n'est pas un péché de dire la vérité. Tu dois avoir à terrain la vérité. Amen. Certes, on doit être dans l'amour, on doit s'aimer les uns les autres, mais. Euh, je t'aime quand je viens te prêcher et t'éclairer, quand tu es dans les ténèbres. Amen. Enfin, je t'aime. J'aime surtout Dieu parce que c'est pour Dieu que je le fais. C'est pour lui obéir. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous un boiseau, dit le Seigneur. Amen. On allume une lampe, donc il a allumé nos lampes, nos cœurs, le Saint-Esprit a allumé nos lampes de sa lumière pour qu'on s'éclaire les uns les autres. Et s'éclairer, c'est s'exhorter, se reprendre, se co corriger, se censurer. Partager nos temps euh, spirituels ensemble. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. J'ai partagé la vidéo d'un frère qui disait ça ce matin. Il disait C'est super important ce que le Seigneur dit là. Mais oui, on a le même esprit. Parce que ce que tu dis là, le Seigneur il nous le dit aussi aujourd'hui. On doit demeurer dans le Seigneur. Et pour demeurer dans le Seigneur, vous connaissez le chemin, c'est l'Évangile. Si vous détournez vos pieds. Parce que vous n'avez pas de zèle pour lire l'Évangile ou l'étudier. Donc, si vous détournez vos pieds de ce chemin, de cette lumière, vous marcherez sur la route large et spacieuse de la perdition. Vous allez faire des œuvres, mais selon vous, et plus selon l'Évangile. Tu ne peux pas te souvenir de l'Évangile par cœur, mais cet Évangile, le Seigneur est en train de l'écrire dans ton cœur. Donc, tu t'en souviendras par cœur, mais une fois que tu seras là-haut, Amen. C'est pour ça que tu dois le lire au quotidien, parce que euh, si tu ne te souviens pas de certains passages, le Seigneur, il va te faire, il va se faire un plaisir de te les rappeler chaque jour. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. On ne peut pas faire des œuvres et avoir tout ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle si on n'a pas la force de Jésus-Christ. La force de Jésus-Christ réside dans son nom, elle réside dans son corps et dans son sang, mais surtout dans son esprit. Amen. Et la force de Jésus-Christ, c'est le consolateur, c'est le Père. Le Fils est venu vous faire connaître le Père, donc la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, s'il ne demeure attaché au cèpe, donc au Fils de Dieu, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà. Donc, on peut, ne peut rien faire. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On porte beaucoup de fruits parce qu'on est aimandé. Et au moment où Dieu t'aimande, c'est pour te rendre parfait. Donc là, tu en passes des châtiments, des épreuves, parce que Dieu permet pas mal de choses. Et des fois, même, tu vas faire des reproches à Dieu, tu vas dire Seigneur, et tu auras même envie d'être répréhensible. Ah oui! Tu vas dire Seigneur, comment ça se fait que je, je subis tout ça? C'est fini euh, la joie mondaine du monde. On sème euh, dans le deuil, mais on moissonnera avec allégresse. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Vous entendez ou pas Alors là, on est déjà dehors, on est dans la vallée de l'ombre de la mort, puisqu'on n'est pas dans le royaume de Dieu qui est au ciel. Amen. Les chrétiens seront enlevés par les anges de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Ils iront sur la nuée du ciel à la rencontre du Seigneur. Il y a un enlèvement de l'Église. Amen. Mais, si tu n'es pas enlevé, tu es un impie, tu seras jeté dehors. C'est quoi exactement le dehors alors, c'est soit la prison céleste, ou soit c'est la GN, la colère de Dieu, le lac de feu. Ce n'est pas l'enfer. D'accord Parce que tu as beaucoup de chrétiens encore qui sont endoctrinés avec l'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Jésus l'a vaincu, l'enfer. Amen. Ça veut dire que tu seras, la terre va s'ouvrir. Au moment de la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, tu vas brûler corps et âme, mais la terre, elle va s'ouvrir en deux et elle va t'engloutir. Tu vas être englouti. Comme la tribu de Dattan. Euh au temps des Hébreux. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. On a parlé il y a quelques jours que la Genèse, de la Genèse jusqu'au prophète, jusqu'au livre des prophètes, alors on passe par la loi du Lévitique, on passe par les dix commandements, etc., etc., on passe par toute l'histoire des, des peuples juifs, hein, l'histoire de Ruth, euh, Débora, etc., etc., toutes les histoires des rois d'Israël, des rois, euh, etc. Euh, mais tout ça, c'est une reprise de l'éternel. En fait, tout ça, c'est des vraies histoires parce que Dieu, la vérité, s'appuie sur la vérité. Amen. Il n'a il pas inventé des histoires pour nous euh, raconter euh, les paraboles. C'est des, des histoires vraies. Amen. Et euh, ben cette tribu de Dathan qui engloutit euh, parce que le, le peuple est près de la, du, de la montagne du Sinaï, ils se sont approchés du Dieu vivant dieu vivant qui est en colère sur le sommet de la montagne parce que ce peuple est plein de péchés son peuple est plein de péchés malgré la circoncision sur leur chair et tout ça et euh, ce dieu vivant certes il aura donné une alliance mais si c est, c est, ce peuple là est un modèle pour nous parce que ce peuple là est un peuple de brebis perdu d'israël amen et euh, ils ont souillé l'alliance de dieu est- ce qu'on veut faire comme eux non on n'a pas envie quand euh, moïse arrive alors ce peuple-là voit Moïse comme le libérateur parce que pour eux c'est Moïse qui les a sortis d'Égypte. Ils glorifient même pas Dieu tellement ils sont pécheurs, ils sont idolâtres. Et quand Moïse descend, le Saint-Esprit de l'Éternel va faire faire à Moïse, va faire jeter à Moïse les deux pierres sur le peuple. Les deux pierres donc euh, euh, que celui d'entre vous qui est sans péché, celui-là jette la première pierre et euh, tous ceux, tous ceux, bah, la tribu de Nathan, tous ceux qui étaient vraiment abominables, ils ont été engloutis sous terre. Amen. Il y en a d'autres, le, le, le camp a été divisé en deux. Amen. Il y en a d'autres que l'Éternel a gardés pour leur faire miséricorde. Parce que ceux-là, euh, certes, ils ont des péchés, mais ils ne sont, sont pas complètement abominables. Amen. Et euh, c'est ce qui se passe exactement chez les chrétiens à l'heure actuelle, c'est que là, il y en a, ils sont complètement abominables. Et le Seigneur, déjà, il les laisse dehors, il les retranche, il les répudie. Ce matin, mon mari était malade. Amen. Oui, mon Seigneur était malade. Mon Seigneur, l'esprit était malade. Il vomissait encore de sa bouche les tièdes et les froids. Amen. Et euh, ça me fait de la peine à chaque fois de le voir comme ça parce qu'il souffre vraiment. Euh, il a fait entrer en lui des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas sa volonté. Et quand il sent en lui, il y a eu quand même euh, un échange. Amen. Quand il sent en lui, il pêche. Et le Seigneur, il a en horreur le péché, ça le rend malade. Donc il a vomi encore ce matin des tièdes et des froids de sa bouche. Amen. Et euh, j'étais peinée de le voir comme ça. C'était vraiment peiné de le voir comme ça, et je, je me rends compte en fait qu'à chaque fois qu'on pêche, on le fait souffrir. On le fait souffrir. Il a déjà souffert pour nous à la croix, mais là, dans le spirituel aussi, parce que euh, lui aussi, il a des mauvais jours. Pendant que vous, vous jouissez du péché, bah, lui, pour lui, c'est des mauvais instants à passer. C'est terrible. Donc, si vous portez beaucoup de fruits, et quels fruits devons-nous porter On doit porter les fruits du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on les porte pour nous-mêmes, ces fruits Non Non Le Seigneur ne donne pas aux anges euh, des choses pour que, égoïstement ils en profitent qu'eux. On a des fruits du Saint-Esprit pour pouvoir travailler vis-à-vis -vis des uns et des autres, donc fortifier l'Église. Et si moi, j'ai des fruits du Saint-Esprit, des révélations, des choses, et que je viens de te les donner, bah, toi, tu les as reçus aussi. Donc tu t'es fortifié, tu repars avec des nouveaux fruits du Saint Esprit, avec euh, euh, des choses un peu débloquées, des choses qui, se, qui vont se débloquer chez toi, un peu comme dans un jeu. Euh, euh, si t'as gagné ton jeu, tu débloques un personnage, etc., etc. Quoi Et euh, euh, on, Dieu nous émonde, Et c'est pas un jeu. Dieu nous émonde, Pas parce qu'il veut nous faire souffrir, mais parce que bah, justement il veut qu'on débloque tous les fruits du Saint Esprit afin qu'on soit parfait comme Il est parfait. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc l'évangile, donc si tu ne lis pas l'évangile, tu ne demeures pas dans le Seigneur déjà. Ça, c'est clair. Ah, oh, j'ai la flemme de lire la Bible, etc. Ouais, ouais, mais un chrétien doit être zélé. Oh, hé eh. Si tu ne commences pas à lire quelques lignes de ta Bible, c'est sûr et certain que tu ne la liras pas. Il faut donner un petit objectif tous les jours, l'ouvrir et dire je lis au moins un verset. Puis tu verras qu'après que tu auras lu un verset, tu vas lire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis plus tu vas la lire, plus tu auras du zèle. Moi aussi, je n'aimais pas du tout la lire parce qu'elle n'avait pas de... on n'était pas attiré, on est attiré par le péché. Elle n'avait pas d'image. Oh, c'était trop long, c'était trop des caractères petits, c'était des mots trop compliqués. Et aujourd'hui, j'en raffole. Hein. Je peux faire des temps d'études sans problème parce que le Seigneur m'a rendue brûlante. Mais je me suis aussi bourrée de coups, hein, parce que c'est une communion avec le Seigneur. Amen. Mais à lui, soit toute la gloire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc. On doit se glorifier, nous, et entrer dans la gloire de Jésus. Mais quand on va entrer dans la gloire de Jésus et qu'on sera dans la gloire, on sera des anges. Et des anges de qui Du Père. Donc là, on va le glorifier parce qu'on sera au service du Père. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc le Père a eu euh, un amour inconditionnel pour le Fils. Amen. Et même euh, quand le Fils prie, mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné euh, c'est pas que Dieu l'a abandonné, hein C'est pas ça. C'est que Dieu, bah, il, il a tourné sa face dans le spirituel. Il a tourné sa face au Fils parce que le Fils a épousé une S A L O P, l'Église, qui était une prostituée, une femme adultère. Elle était pleine de péchés. Et le Fils a mangé. C'est le Fils prodigue, Jésus. Il a mangé tous ses biens avec une prostituée, nous, qui était pleine de péchés et euh, le seigneur notre dieu ne peut pas faire autrement que parce que le péché ça le dégoûte ça le rend malade et donc du coup le père euh, a tourné sa face quelque temps pour le fils c'est pour ça que les ténèbres ont, ont cru avoir une victoire sur notre seigneur et que le seigneur a pu mourir sur la croix amen parce que si l'Éternel ne tourne pas sa face et qu'il te regarde, personne ne peut, peut impacter ta vie, personne ne peut te tuer, personne ne peut prendre ta vie. Jésus, ne, personne ne lui a pris sa vie. Hein. Les ténèbres ont juste pensé avoir une victoire, mais ils n'ont rien eu. Parce que Jésus, c'est lui qui a donné sa vie. Il est le Père qui tourne sa face même pour pouvoir euh, mourir, donner sa vie. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et on doit demeurer dans son amour. Voici mon fils en qui j'ai mis tout mon amour. Dieu est amour. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc Dieu, c'est l'amour, mais il est en Christ. Donc on doit rentrer en Christ. Donc on doit demeurer en Christ et c'est par ses commandements, donc la mise en pratique de l'évangile. Mais si je ne lis pas l'évangile, je ne vais rien pouvoir pratiquer. Hein. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Donc il a accompli les commandements du Père. Donc je n'ai pas allé observer le, le judaïsme. J'en ai rien à foutre du judaïsme. Jésus l'a accompli pour moi. Jésus est circoncis pour moi. Jésus euh, euh, a aboli le Lévitique pour moi. Jésus a fait plein de choses pour moi. Tout ce qu'il y avait à faire, Jésus l'a fait. Amen. Bénissons Jésus-Christ. Amen. L'éternel des armées, Emmanuel, l'enfant qui nous est donné à nous et pas à Marie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est quoi la joie de Dieu? C'est quoi la joie de Dieu Est-ce que vous savez ce que c'est que la joie de Dieu La joie de Dieu, c'est le consolateur. Donc, c'est le Fils de Dieu qui s'est manifesté en chair, parce que c'est le consolateur qui s'est fait chair. C'est le consolateur qui est venu dans la chair d'un homme. Amen. Et le consolateur, c'est la joie de Dieu. C'est l'enfant qui, Emmanuel, que Dieu même nous a donné. Et Dieu est sa propre joie. Parce que Dieu s'autosuffit à lui-même. Dieu est sa propre source de vie, il n'a pas besoin de nous. Dieu est déjà glorieux. Quand il parle de le glorifier, c'est juste faire comme les anges, s'incliner avec une crainte respectueuse et puis obéir à ce qu'il demande, tout simplement. Amen. Parce que la personne de Dieu nous surpassera au siècle des siècles. Même si le Seigneur nous fait de nous des belles créatures, il reste et il demeure Dieu pour l'éternité, pour toute éternité, comme toujours. Amen. Donc, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. S'aimer les uns les autres, c'est accomplir la loi. Et accomplir quelle loi Est-ce que je vais accomplir la loi des Juifs Non, parce que Jésus l'a déjà accompli. Amen. Jésus, par ses mérites, il a accompli la loi des Juifs. Donc, je ne suis pas en train d'accomplir la loi des Juifs, mais euh, je dois accomplir l'évangile parce que c'est l'évangile, la loi. La nouvelle alliance, faite au moyen du corps et du sang, donc de l'alliance, de, de la loi vivante, l'éternel des armées, Jésus-Christ, mon roi, Dieu qui s'est fait chair. Donc moi, je dois accomplir la loi. Dieu l'attend de moi que j'accomplisse la loi. Et comment j'accomplis la loi? En demeurant dans l'amour vis-à-vis des uns et des autres. Donc quand je vais reprendre quelqu'un, c'est pas pour le casser ou le ridiculiser, mais c'est surtout pour lui rappeler, l'exhorter. Et si je dois me mettre en colère, bien sûr que je vais me mettre en colère. Amen. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur, normalement devrait être un homme spirituel aussi, pas un charnel. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si j'aime mon prochain, je vais être en paix avec lui. Euh je vais lui dire la vérité, je ne ferai pas de faux témoignage. Euh, mon prochain, c'est euh, la Nouvelle Jérusalem, donc l'épouse de Christ, l'Église, euh, mais aussi la Nouvelle Jérusalem d'en haut, l'Assemblée des Saints, et l'épouse, la femme de Dieu. Mais c'est aussi Dieu, mon Père. Tu dois honorer tes parents. Amen. Tu ne dois pas voler, donc tu ne dois pas être un voleur spirituel. Tu ne dois pas euh, être un hypocrite qui cherche les dons euh, dans les églises. Amen. La loi de Moïse, ce qui était, c'est ce qui sera ce qui s'est fait, c'est ce qui sera elle prend tout un autre sens en Jésus-Christ. Euh, le mariage doit être honoré de tous, nous dit la loi. Amen. Mais euh, l'église, elle est mariée euh, à l'époux. À Jésus-Christ. Elle est unie à lui comme dans un mariage. Donc, quand tu as des désirs dans ton cœur charnel d'aller t'accoupler avec qui tu veux là, et puis que tu le fais, bah, c'est encore toi qui vis, c'est pas le Seigneur qui vit. Parce que le Seigneur, il, il t'avait peut-être pas destiné à une vie comme ça. Mais toi, tu as choisi d'abandonner le Seigneur, d'être adultère pour aller te lier à un autre époux. Et tu as des chrétiennes comme ça et des chrétiens qui prennent des, des gens euh, qui ne sont même pas de la même religion qu'eux, ou, ou des gens pécheurs, parce que ça y est, ils ont cette idée de mariage, d'amour, de... puis ils voient que c'est une bénédiction de Dieu, ils pensent que c'est Dieu qui a mis ça dans leur vie. Alors que Dieu, il vient vous faire mourir à votre vie charnelle. Dieu vient vous faire mourir à votre vie charnelle, donc Dieu ne vient pas vous donner des enfants à un mariage, loin de là. Dieu s'était uni à vous, c'était ça le mariage avec lui. Dieu s'était uni à vous pour que vous soyez son corps et que vous sortez du monde, parce que Dieu, il avait une autre vie pour vous. Ah ouais Donc, tu as des chrétiens qui demeurent dans l'adultère, qui ne demeurent pas parfaitement dans l'amour. Amen, parce qu'ils font passer toujours leur désir avant la volonté de Dieu. Ils sont leur propre Dieu. On doit s'aimer les uns les autres. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Le seul commandement de, de Jésus, là, aimez-vous les uns les autres, qui a son égal avec euh, aime ton ton Père, de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces, voilà, parce que c'est la loi royale. D'accord C'est la loi royale, c'est la loi du ciel que Jésus est venu vous apporter. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain parce que tu obéis à Dieu qui te demande d'aimer ton prochain. Et Dieu lui-même est ton prochain parce que si tu gardes ses commandements, tu es son ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. <laughs> Donc, euh, Dieu est ton prochain parce que Dieu est ton Père, Dieu est ton ami et Dieu est l'époux. Amen. Le, le, la loi royale est plus puissante que la loi de Moïse, donnée à Moïse, les dix commandements. Parce que si tu as de l'amour, tu ne voles pas, tu ne commets pas d'adultère, tu ne fais pas de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère, euh, tu aimes Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces, etc. etc., etc. Donc il y a dix commandements et c'est. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi et Dieu est amour. Il a mis euh, tout son amour en Jésus-Christ et Jésus a pu accomplir donc la loi. Aucun homme n'a pu accomplir la loi. Jésus nous montre par là qu'il n'est pas un homme, mais qu'il est la loi vivante, qu'il est Dieu, puisqu'il est amour. Amen. Il est 100% Dieu. Il est 100% homme. Non, c'est faux. Jésus n'est pas un homme. Non, il s'est fait chair. Mais si on connaît, on a connu Jésus selon la chair. On le connaît plus comme ça. Nous dit l'Écriture. C'est fini. On le connaît étant Dieu, étant le Père. Donc quand tu dis Jésus, c'est qu'il est 100% homme. Tu mens. Parce que il est sorti du Père, il est 100% Dieu. D'accord, mon chéri, vas-y, à tout à l'heure. Oui, oui, il est dans le silence depuis tout à l'heure Amen. vu qui dit, euh, voilà, il revient tout à l'heure. Amen. Euh, il, il est 100% Dieu, il est sorti du Père. S'il sort de Dieu, il est 100% Dieu. Donc il n'est pas homme. Hein. On entend des fausses doctrines comme ça Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Non, mais arrêtez vos, vos conneries, quoi. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est faux. Il est 100% Dieu. Son corps a été formé du Saint-Esprit. Nous, on a été formés de la poussière du sol. On n'a qu'une seule chose qui est formée du Saint-Esprit, finalement. C'est le souffle de vie à l'intérieur, l'âme. Et cette âme était déjà incarnée dans une chair qui était perdue dans le péché. Donc, on, est, on allait forcément mourir. Mais Jésus vient nous donner son âme, Emmanuel, la moitié de l'âme du Père. C'est beau, hein Amen. Sachant que euh, tout le Père, le Père a, a tout donné sa vie pour payer notre dette. Jésus a donné la moitié de l'âme du Père sur la croix, mais la plénitude de Dieu était en lui. Amen. Mais l'autre moitié de Dieu, c'est l'agneau immolé sur le trône au ciel. Donc quand Jésus traverse... Le temple qui n'est pas fait de main d'homme, il, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est Dieu. Il retourne dans la gloire. Et là, il va, il va immoler le Père, donc la deuxième moitié de son âme. Et Dieu a donné tout Dieu pour le salut du monde. Amen. Et pas le salut de ce monde-là, parce que ce monde-là nous rend ennemis de Dieu. Ce monde-là n'aime pas le Seigneur. Euh, le Seigneur est mort pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'honorent. Donc il est mort pour le monde nouveau. La nouvelle Jérusalem est. Ses enfants. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, tu n'es pas la femme du Seigneur, toi. Même si tu t'appelles épouse, tu portes le titre de la femme du Seigneur. Tu portes le titre de l'Église, du corps du Seigneur. Mais tu son ami et il a donné sa vie pour ses amis, ceux qui gardent donc ses commandements. Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements. Et son commandement n'est pas pesant, c'est celui-là. Si tu as une chose à retenir de l'Évangile, c'est d'être amour. Tu es le sel de la terre, tu ne dois pas perdre ta saveur. Tu es la lumière du monde, voilà. Donc tu es justice, tu es vérité, tu es amour et tu es paix. Si tu manques une de ces choses, tu vas rester dehors, dans les ténèbres du dehors. Et euh, il serait grand temps que tu aies ces choses-là. Si tu n'es pas sûr de les avoir toutes, prie le Seigneur, ne cherche pas à les, euh, à les avoir de toi-même, parce que tu ne les auras pas de toi-même. T'auras beau essayer de faire tout ce que tu voudras. C'est des dons du Seigneur. Sans lui, tu ne peux rien faire. Il l'a dit. C'est le serment. C'était un serment. Il est le cèpe, lui. C'est lui qui donne, c'est le vigneron, le Père qui donne le sang de l'agneau en toi. Amen. La branche. Donc il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On est des imitateurs de Jésus. Donc je donne ma vie pour mes amis. Pour ma famille spirituelle. Donc, quand je vais te reprendre, t'exhorter, te censurer, te corriger, quand je te donne ce que le Seigneur m'a donné, que je partage avec toi et tout, c'est parce que es un ami du Seigneur. Si pas un ami du Seigneur, je te donne rien, je donne pas mes perles au porc et au chien, moi. Je ne prie pas pour le monde. Je ne donne pas ma bénédiction au monde, pour le monde. Vous rigolez ou quoi? Je vais pas donner les dons spirituels qui viennent de Dieu aux démons. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, les démons? Ben, les démons vont blasser mes dieux avec ça. Et moi, je serai accusée de quoi? D'avoir servi au, à, à faire blasser mes dieux. Donc on ne peut pas donner ses, ses dons, ses jeunes, et on ne peut pas manger avec n'importe qui, imposer nos mains avec n'importe qui, donner nos bénédictions, prier pour n'importe qui. Il faut que les gens soient chrétiens. Enfin, chrétiens, je m'entends parler, disciples de Jésus baptisés en son nom, plongés, immergés dans l'eau, et pas un faux baptême de cateau et tout ça, attention. Hein. Je ne peux pas prier pour un catho, Ça va pas, non. En tout cas, si je l'ai fait sans le savoir, que Dieu me pardonne. Amen. Parce que quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien Et c'est là, là, je, je, je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même fait une boulette ce matin. Est-ce que tu es chrétien Ouais, je suis chrétien, mais de quelle dénomination Est-ce que tu es vraiment chrétien Bon, j'ai donné quand même ma voix pour la, pri la prière, amen. Mais euh, derrière, heureusement que la volonté du Seigneur se fait, parce que même si nous on donne et qu'on a fait une erreur, euh, le Seigneur il rattrape le tir. Et voyez que seul Dieu est, est juste au juge, parce que euh, Jésus il dit. Père, je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc, les disciples. Amen. Mais il y a des disciples catholiques, etc. Enfin, ils se pensent disciples du Seigneur. Ils sont disciples du Seigneur, mais en étant des vierges folles, en étant des gens religieux sectaires. Certes, c'est pas pour eux qu'on doit prier non plus. On doit prier pour les vrais qui se sont baptisés et tout ça. Et ils sont où les vrais? On les connaît pas. Ils prient dans le secret, dans leur chambre à moins qu'on euh, s'unisse avec eux, qu'on les connaisse, qu'on les rencontre. Et ça, c'est une très grande grâce de pouvoir se connaître ici dans ce bas-monde, puis après d'être ensemble dans le, dans le monde nouveau là-haut. Amen. Mais euh, on ne peut pas prier pour n'importe qui, les amis. Amen. On ne peut pas prendre notre lumière pour donner aux ténèbres. C'est ridicule. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu es un imitateur de Jésus, donc tu dois consoler les gens. Les exhorter, les censurer, les reprendre. Tu crois que Jésus il allait manger avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, juste pour faire un gueuleton avec eux Pas du tout. Il y allait pour les exhorter, les reprendre, les censurer, les corriger. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, c'est terminé. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Une fois que tu connais le Seigneur, tu n'es plus son serviteur. Alors. Quand tu te plonges dans l'eau du baptême, tu son serviteur. Parce que tu renonces euh, à toi-même, tu te charges de la croix, tu vas à lui fatiguer, chargé. Mais tu ne le connais pas encore. Il va se faire connaître à toi petit à petit. Plus tu travailleras, plus tu lui permettras d'être... Euh, plus tu seras en communion avec lui, plus tu le chercheras, plus tu le, tu le trouveras, plus tu demanderas, plus il te donnera, plus tu le connaîtras. Amen. Mais euh, tu es, euh, es son esclave tout le temps que tu ne le connais pas. Amen. Si le Fils vous a franchi, dit le Seigneur, alors je vais quand même prendre ce verset-là, il est important. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Verset biblique. Donc, Jean chapitre 8, verset 36, qu'est-ce que as Google T'es malade Tu n'as pas parlé aujourd'hui Tu fais la gueule Hein Parle-moi. Bon, je rigole. <laughs> Jean chapitre 8, verset 36. <laughs> si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Et le Seigneur, il dit. Le Fils ne demeure pas toujours dans la maison, verset biblique. Non, mais elle fait vraiment la gueule, hein Dis donc, t'es malade? D'habitude, elle me parle, elle prêche à ma place. Jean chapitre 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Dans quelle maison Est-ce la maison le monde Ou est-ce la maison le corps de Christ Le Fils y demeure toujours. Ça veut dire que le, le consolateur même qui est dans le corps du Christ, c'est le Fils. Parce que euh, la maison qu'on nous parle là, c'est l'Église, le corps-Église. Amen. On ne nous parle pas du monde. Et toi, tu dois être affranchi du monde pour entrer dans le corps de Christ. Amen. Et euh, tu entres dans le corps de Jésus-Christ, euh, bah, pas tout de suite après les autres de ton baptême, parce que le Seigneur, il veut voir si tu as renoncé à toi-même, si tu retombes dans tes péchés, etc. etc. Le Seigneur, il va pas, le, le, le péché le rend malade, les amis. d'accord Il vomit de sa bouche, il était encore malade ce matin, je vous l'ai dit. Il vomissait les tièdes et les, et les froids, parce que bah, il peut pas, ne peut pas garder des gens comme ça. Hein. Donc il retranche, il retranche, il retranche, et, et finalement il restera peu d'élus, parce que le Seigneur, il en a fait quand même rentrer en, eux, en lui des gens qui, qui avaient l'apparence d'élus, et qui gardaient les commandements et qui travaillaient, mais qui se sont tiédis, qui sont devenus froids, parce qu'ils euh, se, se sont détournés de la vérité, puis ils ont été dans des doctrines de démons, voilà. Donc... Euh le Seigneur, il te fait rentrer à un moment, après ton bon combat de la foi, normalement, quand tu ne, quand tu ne pêches plus. Quand tu, ça fait un petit moment que tu communies avec lui. C'est là qu'il te fait passer, du coup, des ténèbres à son admirable lumière, parce que il fait l'échange. Ton âme contre son âme. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui va venir vivre en toi ici. Donc, il te fait vivre toujours ton corps, alors que ton âme, elle est déjà partie en lui depuis un petit, depuis un bail, quoi. Mais t'as pas l'impression, as l'impression que c'est toujours toi, en fait. Alors que c'est plus toi qui vis. Amen. Il y a eu cet échange. Amen. Et là donc, euh, c'est là que le Seigneur bah, t'a franchi. Il t'a franchi de quoi? Du péché, donc de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, il t'a franchi de la mort. T'es passé des ténèbres à son admirable lumière. Mais tu pas encore le salut parce qu'il faut que tu persévères dans la persévérance des saints, et là le Seigneur va t'émonder après euh, après le bon combat de la foi, donc euh, quant à l'armure du bon chrétien, il va te faire passer des châtiments, un père châti les enfants qu'il aime, et puis euh, tu vas être éprouvé pour être émondé, et porter encore plus de fruits, d'en travailler encore plus pour le Seigneur, l'Église, et même les saints, et même les morts, ceux qui sont décédés, parce que comme tu es une âme vivante, moi le Seigneur m'a envoyé prêcher à des morts. Sache-le, c'est vrai. Amen. Parce que t'es es une âme, t'es une âme vivante. Tu peux faire des sorties de corps et tu peux aller prêcher à des morts et, et tout ça. Parce que tu te dois, tu te dois de travailler pour le Seigneur. Amen. Et crois-moi, il va, il va te surprendre. Moi, il m'a surpris. Hein. Une fois, il m'appelle. Je veux que tu viennes dans ma présence. J'étais dans sa présence. Amen, dans ma chambre. Je ferme la porte. Je me mets à genoux. Il me dit je veux que tu chantes. Je commence à chanter. Poum. Il m'enlève en esprit. Amen. Il enlève mon âme. Et je continue à chanter. Et les poissons de la mer m'entendaient, les oiseaux du ciel m'entendaient, les anges, les démons se bouchaient les oreilles, ils ne supportaient pas chanter. Amen. Mais voilà, il, quand il t'appelle, il t'appelle, et tu dois le servir. Amen. Monsieur éternel, Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est un, un sacré grand bon Dieu. Amen. Et je dis pas ça pour y flatter les oreilles, parce qu'il a horreur de ça. Il a horreur qu'on soit doucoureux. Euh Il aime bien qu'on soit simple comme des colombes et prudent comme des serpents, et dans, surtout dans nos paroles qu'on soit sage. Il faut pas faire de lèche et de lèche-cucutage. Ça fonctionne pas avec l'Éternel. Amen. Donc je dis pas ça pour y faire du lèche Amen. Il aime pas. On est trop doucéreux. Quand on est trop doucéreux, il a horreur de ça. Donc, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah Donc, euh, quand tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu es plongé dans l'eau, tu deviens déjà un disciple, mais euh, pas totalement. Euh, il faut porter encore du fruit. Amen. Il faut être aimandé. Et c'est ainsi que euh, le Père sera glorifié et que tu seras son disciple. Alors je, je suis remonté là, mais vraiment loin, vraiment loin, je vais redescendre parce qu'on est par là, on n'est pas là-bas, on est par là, sinon on finira jamais le live là, et euh, là, sur Avril, la tendance à perdre un peu la bouboule, elle est entre deux mondes, alors si tu veux, euh, euh, <laughs> je suis dans un corps qui est mort, euh, et je suis vivante à l'intérieur, donc c'est assez compliqué. Euh. Et, et je peux que comprendre le Seigneur parce que le Seigneur, il a toujours été un Esprit, lui. Amen. Euh, bon, il s'est quand même fait un corps que la lumière soit et la lumière fût, mais un corps céleste. C'était pas un corps terrestre comme nous. Et euh, au moment où Dieu se fait chair, là, il, il a un corps terrestre comme nous. Euh, euh, oui, il a l'apparence des hommes, mais il n'est pas un homme. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu, les amis. Jésus-Christ ne s'est pas, ne s'est pas fait Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Amen. Oui. Excusez-moi les amis. Je ne sais pas qui c'est que ça, mais ça me... Ce qui vient me déranger là. Alors, euh, ce que je disais là Qu'est-ce que je disais Parce que là, il, il m'a coupé là. Euh, et ben je ne sais même plus ce que je racontais, voilà, je ne sais même plus ce que j'ai raconté parce qu'il m'a troublé là. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est tout ce qu'il nous commande. L'amour. Si tu aimes Dieu, euh, qui est ton ami, tu vas lui obéir. Et puis tu vas, tu vas avoir de la reconnaissance. Amen. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'aïe avant vous. Ah, le Seigneur, il montre aussi que j'ai euh, loupé des lignes. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelais ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père dans le corps église c'est le fils qui règne dedans parce que le père et le fils sont un c'est le même esprit qui fait la chair de Jésus, c'est l'esprit du père Jésus est 100 cent Dieu c'est pas un homme amen. Et vous n'êtes vous pas l'église d'un homme, et vous ne vous êtes pas approché d'un homme, vous êtes, vous êtes approché de l'Esprit qui vivifie, le nouvel Adam. Euh, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Éternel, Excusez-moi, je parle au Seigneur. Donc, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous est, alors on se doit rien que de s'aimer les uns les autres, tout simplement. J'ai pas donné mon fric, j'ai pas t'emmener dans ma voiture, j'ai même pas à être sympa avec toi finalement. Hein, euh, t'aimer, c'est euh, c'est marquer la différence, l'indifférence entre toi et moi, c'est ça aussi t'aimer. Bon, on doit aimer nos ennemis. Là, là le Seigneur me reprend. Attends, attendez, il est pas d'accord avec ce que je dis. Vas-y, vas-y, Éternel. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Ah Ah Ça change tout <laughs> Qu'est-ce que je dois faire <laughs> Vous devez vous séparer de ceux qui pêchent, mais vous devez aimer vos ennemis, qui dit le Seigneur. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Donc, euh, euh, je, 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 je me dois de t'aimer. Donc, t'aimer, c'est te respecter te laisser ton libre arbitre, et ça c'est un grand signe de respect déjà. Euh, que celui qui est souillé se souille encore, si tu veux pécher ma bah pêche. Amen. Je ne dois pas te rendre l'injure pour l'injure, le mal pour le mal. Si tu pêches, celui qui pêche est du diable, donc je dois me, me séparer de toi. Quoi? Excusez-moi. Amen. Donc, euh, aimer le prochain comme soi-même, des fois, c'est marquer l'indifférence. Euh, si ton ennemi, quelqu'un qui t'a fait du mal, l'aimer, c'est être miséricordieux, te, lui lui donner à manger, à boire s'il si a faim et soif, comme dit le Seigneur. Amen. Faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais des fois, faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal, c'est juste le laisser dans sa connerie. Hein. La carte de l'indifférence, ça c'est un beau cadeau que le Seigneur vous a fait. Et pensez à l'utiliser, les amis. Amen. On est comme dans un jeu, je ne sais pas si vous avez déjà joué, euh, si, je pense que vous avez déjà joué aux cartes, à la bataille, euh, le jeu de cartes, la bataille. Il faut penser à utiliser toutes les cartes comme ça que tu as dans les mains, quoi. Et euh, un chrétien aujourd'hui, aujourd'hui, je te le dis en vérité, il doit pas avoir d'hypocrisie, hein, mais euh, il doit savoir manipuler de la bonne manipulation. Un chrétien doit savoir manipuler de la bonne manipulation euh, pour... Euh, pas pour faire la volonté de Dieu, mais pour euh, pour s'éviter beaucoup de désarroi. Un chrétien doit être sage. Hein? Amen. Il ne doit pas aller manger avec les moqueurs et avec les voleurs. Donc, euh, comme tu t'as pas le droit de mentir, il bah, faut savoir manipuler et faut savoir répondre et faut savoir euh, faut savoir faire plein de choses. Entraînez-vous parce que ça vous en avez besoin. La carte de l'indifférence est euh la manipulation mais pas pour euh, profiter des gens et faire du mal, hein. Une manipulation sournoise mais pour vous débarrasser euh, par exemple de gens pêcheurs qui vous invitent à manger et tout ça et euh, vous devez pas mentir. Donc vous devez pas inventer des des âneries et des, des choses. Vous devez avoir de l'intelligence pour vous sortir de là, de certains pièges Parce que le diable va vous envoyer des flèches enflammées. Puis des fois les flèches qu'il vous envoie, c'est des anges de lumière, hein. C'est pas toujours des ennemis qui vont attaquer, hein. <laughs> le, le pire ennemi que tu peux avoir, c'est celui qui n'a pas l'apparence d'un ennemi. Et nous, ils n'ont pas l'apparence d'un ennemi, les apostats. Ils sont déguisés en brebis. Amen. Donc, quand je te dis ça, euh, ben, je suis en train de te faire entendre que tu as le droit. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Euh, J'ai le droit d'être manipulateur si, euh, bien entendu, c'est pas pour soutirer et faire du mal. Amen. Si c'est pour me dégager d'un piège qu'on m'a tendu. Je ne vais certainement pas aller euh, euh, manger dans la maison de, de quelqu'un qui m'invite et qui ne sert pas le Seigneur. Certainement pas. Les mauvaises compagnies ruinent les bonnes mœurs. Donc évidemment que je vais éviter tout contact avec les gens qui pêchent. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc je n'ai pas le droit de mentir à cette personne, mais euh, mais j'ai le droit de de me dégager de là. Donc pensez-y, les amis. Pensez-y, parce que c'est bien utile. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. On n'est pas du monde. On n'est pas Belzeb Popo. Le monde se prépare à, à aimer la mouche, là, euh, à adorer la mouche, euh, à recevoir la, la marque de la mouche, de la bête. Euh, parce que la mouche, euh, euh, il a pris la place du diable finalement. Il avait pour père le diable, dans le sens où cet ange-là a, a écouté la voix du diable, s'est laissé détourner par le diable. Le diable a dominé sur lui, parce que le diable est le père du mensonge. Amen. Mais comme maintenant Belzeb Popo a pris la place du diable, c'est lui le père du mensonge. C'est Belzeb Popo maintenant. C'est la mouche. Donc nous, on n'appartient pas au monde. Alors, on n'a rien à y faire dans ce monde. Cependant, on y est. Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Et euh, si tu manges avec action de grâce, ou que tu bois avec action de grâce, ou que tu achètes des vêtements, des choses avec action de grâce, certes, tu vis encore dans le monde, mais ton corps est mort. Donc, tu sais, un, euh, un peu plus de souillure, un peu moins, on n'est plus à ça près. Parce que ton corps est mort, tu es totalement mort à la chair. Donc, c'est pas très grave que tu euh, ta chair avec des vêtements du monde, tu n'as pas marché dans la l'impudicité. Que tu bois de l'eau du monde, que tu manges de la nourriture du monde. C'est en attendant le retour de Christ que Christ te change en un clin d'œil, en un instant. Amen et qu'il te sorte du monde. Donc si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Alors le monde, euh, il nous aimerait hypocritement parce que le monde est démoniaque. Le monde ne s'aime déjà pas lui-même. Il va à la perdition. Hein. Il le sait très bien, mais euh, il continue dans sa connerie. Donc euh, si vous voulez vous contenter de l'amour des hommes et d'un amour hypocrite, allez-y. Mais si vous voulez vraiment connaître l'amour véritable, bah, approchez-vous du Fils de Dieu parce que le Fils de Dieu est Dieu. Il est le véritable, il est Dieu, il est, il est le Dieu d'amour. Amen. Euh, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Donc, euh, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui peuvent faire la volonté de Dieu et qui peuvent connaître le Seigneur, seulement ceux qu'il a choisi. Il y en a, ça leur donne envie d'être chrétiens, donc ils le, ils le font de mêmes Mais ce n'est pas le Seigneur qui les a choisis. Amen. Et c'est une grande grâce d'être choisi par le Seigneur. On ne sait pas euh, exactement sur quoi il se base pour nous choisir, sur sa volonté, sur son désir, amen. Sur son propre choix. Mais quand il t'a choisi, t'a choisi. Amen. Il t'a choisi et puis euh, rien ne te séparera de l'amour de Dieu, parce que si il t'a choisi, euh, euh, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas sauvé. Aucune des brebis ne se perdra. Amen. Si t'a choisi, c'est ce qu'il fait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Seigneur Jésus n'a pas eu son baptême du Saint-Esprit tout de suite. Alors, euh, on va essayer de comprendre par rapport au baptême. Vous savez qu'il a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Alors, attendez, parce que là, c'est difficile pour faire sortir le verset. Euh, vous pouvez être baptisé du baptême dont je dois être baptisé verset biblique. Bah, elle ne parle plus la Google. Est incroyable. Bon, à la fois, tant mieux. Marc chapitre 10, verset 38. Jésus leur répondit, Vous ne savez ce que vous demandez. Demandez, vous recevrez. Frappez, et on vous ouvrira. Euh, cherchez, vous trouverez. Et là, il euh, y a deux disciples qui lui demandent, Voilà, Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Quand tu seras dans ta gloire. Parce que là... Euh, ils savaient qu'ils avaient rien. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas pour tout de suite. Et Jésus leur répondit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Donc je ne boirai plus du fruit de la vigne, mais euh, je le boirai avec vous dans le, dans le royaume de mon Père. Mais avant ça même, parce que ça c'est dans la gloire, Jésus va boire la coupe de vinaigre, donc la coupe de l'amertume, la coupe de poison préparée généreusement par... Euh, les Romains ou les Juifs qui étaient au pied de la croix, parce qu'ils étaient, ils étaient complices hein, l'un de l'autre, de façon, euh, la coupe de notre amertume, de nos péchés. Amen. Et euh, voilà, Jésus leur répondit Vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé Et là, Jésus il parle pas du baptême au Jourdain, parce que là, il y a des disciples et il y a longtemps que le baptême avec Jean, il est fait. Donc il parle du baptême du Saint-Esprit, qu'il se, qu se donne, et eux le savent, euh, euh, quand tu seras dans la gloire, dans ta gloire. Le baptême du Saint-Esprit est un baptême de feu, ça n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un baptême d'eau, on ne peut pas mettre du feu dans l'eau, c'est ridicule. Enfin, Dieu, tout est possible, amen. Mais Jésus, la colombe qui descend sur lui, certes c'est le Saint-Esprit, mais il n'a pas son baptême du Saint-Esprit. Il a l'autorité du Père, il a tout pouvoir, toute autorité, donc il va le manifester Dieu sur terre. Amen. Et il va pouvoir faire donc la nouvelle alliance. Amen. Il va pouvoir faire des miracles au nom du Père qui rendront témoignage de qui il est. Mais euh, il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est après sa résurrection. Donc ce n'est pas trois jours après, parce qu'il ne remonte pas au bout de trois jours vers le Père. Et on le sait. Amen. Amen. Euh, mais il remonte à un moment euh, dans le royaume de Dieu. Amen. Et il va prendre le livre des sept sceaux dans la main de Dieu et ouvrir les sept sceaux de l'Apocalypse. Amen. Qui n'ont pas d'effet tout de suite. Parce que le Seigneur, il les ouvre. Et c'est lui qui décide quand est-ce que ça aura de l'effet. Puisqu'il est maître du temps, il est maître des circonstances, il est maître de tout. Mais euh, en rentrant dans ce royaume de Dieu, ben, il rentre dans son royaume, dans la gloire qu'il s'était dépouillé lui-même dans la gloire du Père. Amen. Et puis, euh, le Père est un feu dévorant. Amen. Donc, euh, c'est là que Jésus, quand il entre, il a le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va se passer pour vous autres. Parce que euh, le Seigneur, il a dit, quand Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Verset biblique. Colossiens chapitre 3, verset 4. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Oh. Euh, donc dans le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être baptisé d'un second baptême, le baptême de feu. Et seul Dieu, Jésus-Christ, donne ce baptême. Les hommes peuvent vous baptiser d'eau. Jean le Baptiste baptisait d'eau, mais celui qui, vieux, qui est venu après lui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Parole de Jean le Baptiste. Donc, seul Jésus-Christ peut vous donner le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand je vois des gens s'imposer les mains et croire qu'ils se donnent le baptême du Saint-Esprit qui qu'ils parlent en langue et toutes les iconneries, ben excusez-moi, mais ça, moi ça me fait rire. Ça me fait rire. Soyez toujours dans la joie, dit le Seigneur. Heureusement, hein, on, a, on a des clowns comme ça dans, dans, dans l'église qui nous font des fois bien rigoler. Amen. Et euh, on veut leur faire entendre raison, mais ils se battent avec nous parce qu'ils sont apostats. Et le pire, c'est qu'ils nous voient comme des gens euh, euh, étrangers à la vérité alors que c'est eux qui sont ténèbres. C'est eux qui sont dans la connerie. Amen. Donc, toi, tu dois persévérer parce que tu as un baptême à passer, là. Tu as un baptême. Moi, je l'ai déjà eu. Hein. Amen. Moi, j'ai déjà eu. Alors, attendez, est-ce que j'ai fait témoignage de ça, mais il y a un bail. Il y a un bail que j'ai fait témoignage de ça, mais je vais, euh, je vais reprendre. Hey, ils ont remis ça avec la souris verte. Oh là là, non, non, mais c'est. Hey, mais ils inventent les doctrines, je vous assure qu'ils les inventent. Hein. Ils ont remis ça avec la souris verte. Ah non mais c'est incroyable. Alors attendez quand même, est-ce qu'il faut que je change de compte Allez, c'est Jam, ouvre-toi. <laughs> Moi, il y a longtemps que je l'ai eu, mon baptême. Amen. Du Saint Esprit. Je l'ai pas eu donc sur mon corps là, mais je l'ai eu sur mon corps au ciel. Amen. Alors attendez, oh c'est vrai, ils nous ont tout, euh... mais ils font ça pour nous embêter, je vous assure, ils doivent se casser la tête. Ils doivent se casser la tête, ils font ça pour nous embêter. Aïe, aïe, aïe. Avant, on pouvait voir nos vidéos, hein. Donc, il faudrait que je, je rouve tous mes témoignages, en fait. Comme ça, je pourrais revoir mes vidéos. C'est ce que je vais faire, quoi. C'est ce que je vais faire. Mais quand je rouve mes témoignages, ils se permettent de m'en enlever, de m'en supprimer. Et euh, ils se permettent de... de me couper des sons. Alors qu'il n'y a pas de musique dessus et tout ça, euh, ils coupent des sons. Ils ont la haine euh, le TikTok. Ils travaillent pour les ténèbres. Amen. Alors, oh, c'est pas vrai. Ah oui, on voit plus rien maintenant. Alors, si tu veux que je te dise, bon, euh, heureusement, c'est un témoignage qui est pas trop, euh, qui est pas trop loin, les amis. Je vais quand même faire l'effort de le chercher assez rapidement. Eh ben, mon vieux. J'aurais trouvé ça en deux secondes si on pouvait voir les... Alors attendez. Oh mon dieu. Seigneur, mais pourquoi ils nous ont retiré les trucs Ils sont chiants, hein, ils sont chiants. Ils doivent réfléchir la nuit à quoi, à quoi nous faire pour qu'on puisse galérer, tu vois, pour qu'on puisse galérer. Le diable, il fait tout pour qu'on perde du temps, tout, tout. Avant, je l'aurais trouvé en deux secondes. Regarde-moi ça. Vas-y, j'en ai marre là. <laughs> patience. La patience est un, feu du, est un fruit du Saint-Esprit. Tu, tu, tu l'utilises ou pas C'est avec les fruits du Saint-Esprit qu'on éteint toutes les flèches enflammées du malin, c'est tout. Non, mais qu'est-ce qui nous a changé L'application, on n'a rien demandé. Ça, Star Maker, ça a changé. Les deux applications que j'utilise, je ne leur ai rien demandé. Ils ne pouvaient pas laisser comme avant là. Aller changer les applications que je, je, je n'utilise pas Face de Book euh, aller changer des trucs comme ça ah oh non j'en ai marre non mais attendez, les amis je suis désolée parce qu'en plus euh, non mais là euh, alors c'était pas trop loin euh, ouais parce que quand tu cherches en cinq minutes c'est pas trop loin quand tu vois tout mais sinon si c'est loin euh, femme je, je ferai bientôt de nous une seule nation un seul peuple une seule langue Jésus Christ Amen. Donc euh, je suis la femme de l'Éternel. Je n'ai pas le don des langues et tout ça, et vous non plus. Mais quand on va rentrer dans sa présence et tout ça, on sera un seul peuple, une seule langue. On se comprendra les uns les autres, on aura les dents, euh, on aura les dents du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est qu'il est mon truc parce que il était là, là, je l'ai. Mmh. J'étais sûr que c'est à côté de ça. Allez. Ah, euh, J'ai passé du temps aujourd'hui comme hier avec l'Éternel des armées. Il est un feu dévorant. J'ai vu mon corps plonger dedans et il m'a béni. Amen. Égal vérité. Euh, donc ça date de quand ça Il euh, y a déjà un oiseau qui m'avait survolé en, en, en esprit, un oiseau de feu qui m'a survolé comme un phénix. Une colombe à phénix en feu qui m'a survolé lorsque j'étais allongée dans ma chambre amen et après euh, en esprit j'ai pu voir mon corps plongé dans le feu euh, dans le feu amen il montrait euh, mon corps mon corps là amen euh, mais le baptême le seigneur il m'a expliqué que euh, c'est le baptême du Saint-Esprit donc c'est passé sur ce corps là parce que mon âme elle est dans ce corps là mais euh, ça n'a pas purifié ce corps là c'est pour le corps là haut ça veut dire que j'ai obtenu mes deux marques, mes deux marques, la marque du père sur mon âme et la marque de la nouvelle Jérusalem. Amen. De toute façon j'étais là, je suis la nouvelle Jérusalem. Donc, pour que vous ayez une marque sur vos nouveaux corps, il faut que moi j'en ai une. Amen. Euh, le 0106 2022. Donc, c'est pas vieux quand même. Amen. C'est pas vieux quand même. Eh ben disons, j'ai galéré pour trouver une défunte vidéo là. C'est incroyable ça. TikTok, il nous a tout caché, là tout, euh, voilà, fallait qu'il nous mette tout tout blanc, comme ça on retrouve plus nos vidéos. Euh, casse bonbon. Hein. On vous a rien demandé, TikTok. Donc souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tu peux pas avoir le baptême du Saint Esprit là, être glorifié avant que Jésus arrive. C'est ridicule. Quand il paraîtra dans la gloire et il revient dans la gloire du Père, il revient étant euh, il va se montrer au monde étant Dieu. Amen. Il revient en étant un feu dévorant. Il revient avec dans la colère. Tu le sais qu'il revient dans la colère. Amen. Qu'il y aura un déluge de feu. Parce que les temps sont comme les jours de Noé et de Lot. Il y aura un déluge de feu. Sa colère sur le monde. La géhenne. Qui brûlera corps et âme. Amen. Euh, bah toi, tu paraîtras avec lui dans la gloire. Donc, euh, tu auras ton baptême du Saint-Esprit que quand tu remonteras dans la gloire. Amen. Euh, le baptême du Saint-Esprit, c'est une espérance. C'est en espérance que vous êtes sauvés pour le salut. L'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore Ceux qui disent en a le baptême du Saint-Esprit, ils ne sont donc pas sauvés en espérance puisqu'ils l'ont reçu. Ils, le, ils disent qu'ils le manifestent par le parler en langue sur leur corps démoniaque, là, leur corps de péché. C'est des menteurs. Non seulement ils sont plus grands que le Seigneur, mais encore en plus... Euh, bah, L'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore bah, Ils n'attendent plus le Seigneur parce que pour eux, ils sont déjà sauvés. Ils vivent, ils ont leur, ils ont leur, ils vivent leur meilleure vie, là. Ils vivent leur, me, leur meilleure life parce qu'ils euh, ont un esprit en plus de. Le Seigneur leur a envoyé un esprit d'égarement, donc ils disent Seigneur, Seigneur, ils voient des miracles devant leurs yeux, ils sont à fond à la caisse, quoi. Ils sont, euh, ils sont paumés, les gars. Ils parlent en langue, ils pensent qu'ils ont vraiment le Saint-Esprit, quoi. Euh, ils font des miracles, ils font plein de choses au nom du Seigneur, mais le Seigneur, comment Il va les jeter dehors. Le Seigneur, quand il revient, il se... les, les, les premiers qui combattent, c'est euh, ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui ne font pas sa volonté. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Amen. Ce n'est même pas les païens et les pécheurs. Hein. Amen. Donc, euh, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. On est ses serviteurs, mais on est devenus ses amis. On sait ce que fait notre Seigneur et on sait qu'on qu n'est pas plus grand que lui. Et euh, au siècle des siècles, même quand on sera dans notre corps angélique, on ne sera pas plus grand que le Seigneur. On se prosternera toujours devant Lui et on lui devra un infini respect. Amen. Une infinie obéissance, une infinie reconnaissance. Le Seigneur est digne de louange. Amen. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc euh, le Seigneur, il a été persécuté chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu, les juifs, amen, euh, ils ne sont pas venus à la lumière. Les juifs l'ont vu comme un apostat, ils voyaient eux comme étant dans la vérité, parce qu'ils étaient religieux et sectaires. C'est la même chose qui se passe pour nous, on est le corps de Christ. Les gens religieux et sectaires du christianisme nous voient comme des apostats. Amen. Et nous persécutent, nous maltraitent, et c'est eux à qui il faut qu'on donne à manger. On donne quand même de la nourriture et tout ça donne à ton ennemi de la nourriture. Donc le, c'est, je vais pas dire le sens caché, mais il faut quand même donner des explications par rapport à la parole de Dieu pour essayer de le réveiller. Amen. On a tout avec le Seigneur, donc s'il en fait, on est le corps de Christ, donc on peut que de nouveau passer par là. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Maintenant, c'est nous l'Église, le corps de Jésus. C'est nous qui marchons sur le chemin de vérité pour la vie. C'est nous qu'on est vus comme des apostats. C'est sur nous qu'on crache. C'est sur nous qui, c'est nous qu'on est battu. C'est nous qu'on prend des coups. C'est nous qui prions, qui veillons. C'est nous qui, qui sommes passés au crible par les démons. C'est nous et c'est nous qu'on sera élevés dans la gloire parce que certes on est châtié on est brisé par dieu amen mais euh, pas pour être châtié et mourir on est euh, euh, on passe des épreuves pour être sauvé amen mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'on est le christ on est son corps et on a son nom en nous on a le nom du père le saint-esprit donc on a de la lumière en nous et euh, ben, les gens qui sont ténèbres nous parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne le connaissent pas. Retirez-vous de moi, vous qui euh, commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, qui est-ce qui va nous faire la guerre Qui est-ce qui va nous faire la guerre euh, Des gens laïcs. Moi, j'ai des gens laïcs qui sont venus, mais ils n'étaient pas laïcs. Hein. Ils ne sont pas laïcs euh, depuis toujours. Hein. Avant, ils euh, prêchaient. Ces gens-là, ils avaient une religion. Et euh, la religion les a complètement épuisés. Ils ont perdu la foi. Ils ont abandonné leur religion. Puis ils viennent au nom, euh, euh, au nom de leur religion. Euh, Injurier Dieu, parce que nous, on représente Dieu. Amen, ils s'en prennent à Dieu. Donc, ils s'en prennent à nous. Parce que nous, nous Dieu, il a décidé d'être en nous. On n'est pas Dieu dans le sens où il est Dieu à lui seul, la gloire. Mais euh, on le représente, on est ses images. Amen. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse. Aucune. Le Seigneur ne leur en trouve plus des excuses. C'est terminé. Donc le temps de grâce sera fermé, la porte des brebis sera fermée, puis malheur à ceux qui seront dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des grincements dedans, le Seigneur va les frapper. Ils sont destinés à la colère de Dieu, aux grandes tribulations. Parce qu'ils commettent l'iniquité, il faut qu'ils se retirent du Seigneur. Et le Seigneur, déjà là, il les retire déjà, parce que ça fait déjà deux, trois fois qu'il est malade. Amen, il est encore malade ce matin. À vomir, à vomir. Ah, il me faisait de la peine. Hein. Euh, tout c'est tiède et froid faut que ça sorte quoi mon Dieu c'est moi qui est enceinte c'est lui qui vomit quelle peine c'est lui qui souffre celui qui me hait haï aussi mon père donc nous on est des représentations de Dieu mais les anges aussi là-haut donc quand cette sœur elle rigole de l'ange qui, qui a des yeux de partout et qui, elle rigole d'une image de Dieu donc elle rigole de notre Dieu elle haït notre Dieu pour faire ça, elle n'a pas l'amour de Dieu en elle pour faire ça. Si elle avait l'amour de Dieu, elle ne, ferait, elle ne dirait pas des choses comme ça. C'est le, le diable qui parle en elle, c'est les pensées du démon qui se manifestent en elle. Il ne faut pas qu'il y ait de, fa de fanfaronneries et de choses comme ça, dit le Seigneur. Entretenez-vous plutôt par des psaumes, des cantiques et tout ça. Le Seigneur, il veut qu quand même qu'on qu apprenne à rire, qu'on soit ensemble, qu'on soit dans la joie et tout ça. Mais il y a d'autres façons de, de rire et de s'amuser que des fanfaronneries comme ça, blasématoires euh, ou sales. Amen. Donc ceux qui nous haïssent, ceux qui, ceux qui persécutent le Seigneur, euh, bah Paul, on a un exemple avec Paul. Paul était persécuteur de l'Église. Mais l'Église, elle était quoi Les prémices Le corps de Christ. Et qu'a fait Jésus-Christ Il a repris Paul tout de suite, il a aveuglé Paul. Et Paul, du persécuteur, il passe au persécuté. Amen. <coughs> Donc, le Seigneur, il, il attendra pas si les gens nous persécutent. Amen. Et les apostats, c'est ce qu'ils feront. Parce que les gens religieux et sectaires se voient dans la vérité parce qu'ils ils ont un esprit autre que le consolateur. Ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans le chemin de la perdition. Parce que tant que tu manifestes des choses charnelles et des choses de ce monde, tant que tu es dans le chemin de la perdition, large et spacieux. Si le Seigneur n'était pas venu et qu'il ne leur aurait, leur aurait pas parlé, qu'il n'aurait pas donné l'évangile, il n'aurait pas de péché. Le Seigneur ne les accuserait pas. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Le Seigneur ne leur trouve plus d'excuses. Le Seigneur est le juste juge. Si, si le Seigneur ne veut même plus te trouver d'excuses, c'est que le Seigneur n'est plus ton avocat. C'est que le Seigneur, il a jugé là. Celui qui me est, euh, haï aussi, mon Père, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, il n'aurait pas de péché. Donc il a fait des œuvres où ça Au milieu des Juifs. Et les Juifs, euh, s'ils n'avaient pas vu ces œuvres-là, ils n'auraient pas de péché. Capernaum, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts, c'est des juifs là-bas. Si les euh, miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits au milieu de Tyre et de Sidon, elles auraient pris le sac et la sonde elles se seraient repenties. Amen. Mais dans les nations euh, euh, païennes, il y a eu aussi, euh, donc euh, dans les nations non-juives, il y a eu aussi des miracles faits par l'autorité de Jésus à travers les apôtres. Et euh, ceux qui n'auront pas cru, bah, tant pis pour eux. Amen. Ils n'ont plus d'excuses. C'est terminé. Le temps de grâce sera fini. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon père. Les faux chrétiens, là, qui ont quitté leur secte et qui euh, s'en prennent à Dieu parce qu'ils ont perdu leur temps dans leur religion, ils ont, un, ils, ont de, ils sont amers. Ils sont amers. Ils accusent Dieu parce qu'ils ont perdu leur temps dans, le, dans les religions, hein, tout simplement. Euh, ils haïssent Dieu. Alors que c'est sans raison, Amen, c'est sans raison. Et ils nous haïssent parce que quand ils viennent en prétextant qu'ils sont laïcs, oh, tu sais, moi aussi j'ai connu Dieu avant, maintenant je suis laïque, mais il faut sortir de la religion parce que la religion, nanani, nanani, ils essayent de vous faire perdre la foi. Mais il ne faut pas les écouter, il faut pas les écouter parce qu'eux ils étaient religieux sectaires, mais vous, vous n'êtes pas religieux sectaires, vous êtes libre. Libre du monde, il n'y a plus rien qui vous rend esclave. Vous suivez Jésus-Christ. Quand tu es en train de suivre Jésus-Christ, tu n'es pas en train de l'attendre dans une religion euh, débile et en train de faire des cultes euh, d'hommes. Eux, ils ont perdu leur temps comme ça, maintenant, ils l'ont amère et puis ils veulent s'attaquer à vous. C'est des apostats. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'en haïssent sans cause. Et ils nous haïssent sans cause. Ils n'ont pas connu le Seigneur parce que s'ils avaient lu l'Évangile et qu'ils qu auraient mis en pratique l'Évangile, ils n'auraient pas pu se détourner de la vérité pour le mensonge. C'est pas possible. Tu peux pas euh, quitter euh, un borgne pour un aveugle. Tu peux pas quitter un boiteux pour un cul de jatte, c'est ridicule. Euh, tu peux pas quitter l'Évangile, de foi, le vrai Dieu, pour une idole, pour les démons et les ténèbres. Arrêtez de dire ça. Ceux qui, ce qui disent j'ai perdu la foi et euh, euh, voilà, je crois plus au Seigneur, je deviens laïque, c'est que vous ne l'avez jamais connu, jamais. Si vous auriez connu le Seigneur, jamais vous auriez abandonné le Seigneur, parce que le Seigneur c'est un être d'amour et tu ne peux que l'aimer, tu ne peux que l'aimer. Ah, tu peux te disputer avec lui certains jours et tout ça, c'est une relation. Mais tu ne peux que l'aimer, tellement c'est un être merveilleux, tellement c'est une relation de grâce dans ta vie. Un être comme le Seigneur, tu t'en connaîtras jamais des centaines et des centaines. Tu peux remplacer une femme par une femme, un enfant par un enfant, un homme par un homme, hein, je suis désolée, hein, un chat par un chien, un chat par un chien, un chien par un chat. <laughs> Mais à hein, Dieu, il y en a qu'un. Alors quand tu me dis que tu as perdu la foi et que tu es laïque, la laïcité, c'est les ténèbres même. C'est la noirceur des noirceurs, même là. Parce que là, t es, t as, t as, tu, là, tu es en train de dire que tu crois même plus en Dieu. quoi. Alors là, je ne peux, peux pas y croire, moi. Tu ne peux pas passer de la lumière aux ténèbres. Tu peux passer des ténèbres à la lumière par le Seigneur Jésus-Christ. À Dieu, tout est possible. Mais passer de la divine lumière aux ténèbres, ce n'est pas possible. Il y en a qui l'ont fait. Les anges déchus de la grâce. Mais toi, tu n'étais pas un ange. Toi, tu étais un pécheur. Ne me dis pas que tu as quitté le péché pour retourner dans le péché, j'y crois pas. Tu as quitté la sainteté, genre pour retourner dans le péché, mais tu ne la péche... l'as jamais connu, la sainteté, tu es un pécheur. Je m'embrouille, je m'embrouille les pinceaux dans le, dans le truc. <laughs> Celui qui me haït, haït aussi mon Père. Donc euh, le Père, c'est qui C'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Donc s'ils ont de la haine pour le Fils de Dieu, ils ont de la haine pour nous, son corps. Et ils le Saint-Esprit qui est en nous, donc le nom de l'Éternel qui est en nous. Donc à qui ils vont s'en prendre les, les cocos, les mouches Bah ben, nous. Les, les mouches viennent souvent sur les, 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 les animaux hein, dans les champs, les vaches, les brebis, les chevaux. Euh, elles pondent des œufs même dans leurs yeux et tout ça. Hein. peuvent attraper des sacrées maladies les animaux, vous savez, euh, quand ils sont infectés comme ça par les vers. Parce que la mouche, c'est un, un insecte très sale. L'antéchrist est un petit insecte très sale. Et pas beaucoup d'enfants de, comme ça, toutes les cinq minutes, il euh, euh, y a du péché dans le monde, toutes les deux, même pas toutes les cinq minutes, toutes les secondes, toutes les fractions de secondes même. Parce que l'antéchrist, il tourne sans arrêt, sans arrêt autour de nous, cherchant qui va dévorer. Alors, quand il a des, des simples d'esprit comme ça mal affermis, mon peuple périt par faute de connaissance. Oui, ils étaient le peuple de Dieu, mais ils périssent parce que ne euh, s'affermissent pas assez de la parole. Lis la parole, c'est indispensable. Si tu lis pas la Bible, tu es mort, tu es déjà mort, C'est pas la peine. La Bible, c'est l'épée de, de Michael l'archange Donc, si tu as toute l'armure, tu as, as les chaussures, tu as le zèle, tu as le casque, tu le, le, le bouclier, tu as la cuirasse, mais t'as pas l'épée! Mais mon ami, mais t'es mort! Mais t'es mort! Tu pourras éviter quelques coups avec le bouclier de la foi, mais après t'es chaos. Il faut prendre l'épée la la, la, de la parole de Dieu. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haïssent sans cause. Et ils nous haïssent sans cause. Ils nous haïssent à cause du nom de l'éternel. Ils sont ténèbres et ils haïssent notre lumière. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc le Consolateur qui doit venir, bah ça peut pas être quelqu'un d'autre que Dieu parce que c'est l'Esprit qui est dans le corps de Christ, c'est Dieu. Jésus est le Père qui s'est fait chair, mais il nous a donné sa chair, Emmanuel l'enfant, son corps. Et nous on est devenu l'Église, on est devenu le Christ, le Fils de Dieu. Et Dieu est retourné à sa place dans la gloire et maintenant. Euh, il revient chercher les, les, les enfants de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Amen. Et il rend témoignage à nos esprits. Donc, on n'a pas besoin qu'un pasteur vienne nous imposer les mains, dise, Dieu te localise ou je sais pas quoi. On n'a pas besoin que les gens prient pour nous ou quoi que ce soit. Parce qu'on est sauvé par la foi. La foi, c'est notre cœur qui est en communion avec Dieu. Et Dieu est un, un esprit, cherche des adorateurs en esprit en vérité. Amen. Et l'esprit rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Et comment il rend témoignage à nos esprits si on a l'évangile en nous? Le Seigneur va nous parler avec les, les paroles là qu'il a déclarées. D'un seul coup, poum, tu as pensé un verset, c'est le Seigneur qui te parle. Non, tu n'as pas pensé un verset, c'est le Saint-Esprit-Consolateur qui est en train de te parler. Par ses paroles de vérité, la Bible. Mais si tu ne connais pas ses paroles, il ne te parlera pas. Ben bah ouais, parce que tu ne le connais pas. Donc l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit-Consolateur, euh, euh, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et euh, il vient du Père. Le Père a envoyé le Fils. Donc le Fils, c'est l'Esprit de vérité, qui est en nous et qui nous fait rendre des témoignages de lui. Parce que nous connaissons ses paroles et quand on va prêcher, l'épouse, elle a la voix de l'époux parce qu'elle elle elle parle avec l'Évangile. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Euh, alors je sais pas si je viens ce soir, mon petit chéri m'a rien dit du tout. Voilà. Euh, en tout cas, merci d'avoir suivi cela. Et moi, ma mission est terminée. Euh, j'ai mangé avec vous, spirituellement parlant. Je vais pas m'amuser à faire des débats. Si vous avez des questions, euh, bah, si jamais je viens ce soir, on fera peut-être un temps pour répondre aux questions. Faudrait quand même que je fasse ça quand même de temps en temps, parce que j'ai quand même des élus qui euh, qui ont des questions, les amis. Allez, il est 17h08. Allez, jusqu'à 17h30. Si vous avez des questions au sujet de ce que vous avez entendu sur ce live. Moi, j'en ai rien à foutre si vous avez des questions euh, concernant les, enc les encyclopédies, la politique ou les scientifiques ou le monde. Euh, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là. Suis... Allez sur Google. Google, elle pourra vous répondre. Elle a du savoir. Elle a de la connaissance humaine, pas moi. Moi, je ne suis pas le monde. Amen. Moi, je parle. Je, je, je peux répondre à des questions et pas toutes les questions non plus. A Dieu, tout est possible et le Saint-Esprit, quand même, est en moi. Mais je peux quand même poser la question à mon Seigneur si jamais. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu, je dis bien ce que vous avez entendu, donc par rapport au temps d'étude d'aujourd'hui. Amen. Si vous avez des questions, posez vos questions. Sinon, ne posez pas de questions, ce ne sera rien du tout. Je suis arrivée il y a cinq minutes. Slimane, Slimane, je me suis disputée avec le Seigneur en live. Tu étais là et quand j'ai coupé mon live, trop tard. J'ai vu ton euh, j'ai juste eu le temps de lire ton euh, commentaire qui disait euh, euh, peux-tu demander à Dieu je sais pas quoi je sais pas ce que tu voulais que je demande à Dieu puis poum ça ça ça, ça, ça s'est coupé euh, voilà euh, je ne suis pas un médiateur entre toi et Dieu Slimane. c'est Jésus-Christ qui est médiateur entre toi et Dieu c'est l'évangile si tu veux demander à Dieu Dieu peut t'écouter Dieu est tout puissant il a ses oreilles sont, euh, son oreille n'est pas trop pesante pour t'entendre amen il est l'Église, il a des oreilles pour entendre euh, et sa main n'est pas trop courte pour te sauver et euh, le Seigneur a les yeux partout parce qu'il juge de tout, il entend tout, euh, c'est le juge de la terre. Donc tu peux parler à Dieu. Je te recommande par contre pour parler à Dieu d'invoquer son nom. Amen. Et comment on invoque son nom, tu dis, loué soit l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Mais tu ne le dis pas avec ta voix, comme je suis en train de le dire là, tu le dis avec ta pensée, donc avec la petite voix que tu as à l'intérieur de toi. Si tu es adamique, tu as une petite voix à l'intérieur de toi. Si tu n'es pas adamique, tu n'as pas de petite voix à l'intérieur de toi. Tu auras plusieurs petites voix à l'intérieur de toi. Ce que tu vas, tu vas appeler ça des alter-égaux, c'est les démons. Hein, c'est des, des esprits de médium, c'est de, de la télépathie. Normalement, tu n'as qu'une petite voix à l'intérieur de toi. Le jour où tu en as deux, c'est que le Saint-Esprit te parle. Et et si tu doutes dans ton cœur de ne pas recevoir de réponse, on ne sait jamais, parce que c'est peut-être une première fois que tu vas faire comme ça pour parler à Dieu, tu prends ta Bible dans tes mains après, puis tu l'ouvres. Tu l'ouvres sans te poser de questions directement, parce que le Saint-Esprit sait. Puis tu commences à lire. Et le Seigneur te, te parlera comme ça dans un premier temps. Amen. Mais euh, il, faut que tu, euh, il faut que tu fasses confiance aux pensées que le Seigneur peut te mettre. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc Dieu il peut te mettre une musique à l'esprit, c'est le Seigneur qui te parle. Dieu peut te mettre un bout de film, Dieu peut te mettre une vision, Dieu peut te mettre un songe, Dieu peut te faire parler un esprit. Euh, il peut te parler lui-même, ses brebis entendent sa voix. Amen. Donc euh, l'Église a des oreilles pour entendre, c'est écrit. Donc Slimane, tu as des oreilles. Tu as des oreilles, Slimane. Dieu peut te, te répondre, te parler. Tu n'as pas besoin de moi. Parce que le Seigneur t'a mis un souffle de vie en toi et ça s'appelle l'onction du Saint-Esprit, ça déjà. Le souffle de vie. Que tu as en toi. Euh, donc, euh, si tu es un être adamique, tu as toujours ce souffle de vie. Hein. Il n'y a que les démons hein, qui sont devenus ténèbres qui n'ont plus ce souffle de vie. Donc, euh, si tu es baptisé, euh, j'espère que tu es baptisé, euh, plongé, émergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de Jésus, parce que sinon, bah, tu n'entendras quand même pas la voix du Seigneur, parce que le Seigneur ne se montre pas au monde. Euh, le monde ne le verra plus. Mais nous, on va le voir parce que nous, on est baptisés. Amen. Donc, j'espère que tu t es baptisé. Si tu pas baptisé, baptise-toi et rapidement, convertis-toi. Et fais comme je te dis pour écouter le Seigneur qui te parle. Amen. Parce que... Euh tu n'as pas besoin des hommes, mon ami. Pas besoin des hommes. Maudit, maudit est l'homme qui s'appuie sur les hommes. Et tu es maudit si tu t'appuies sur ta propre sagesse. faut t'appuyer sur l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu. Et la, la sagesse de Dieu, c'est l'évangile. Là, voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu lises tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que tant que tu liras ça, bah, tant que tu vas mettre fin à la sagesse du monde euh, et à tes propres pensées dans ton cerveau. Et plus tu, prends, tu prendras les paroles dans ton esprit, plus euh, ce qui doit passer passera. Amen. Et les choses, toutes choses doivent passer et devenir nouvelles. Amen. Voilà. Tu n'as besoin de personne, Slimane, Personne. Amen. Tu n'as besoin que de Dieu et de Dieu seul. C'est Dieu que tu dois rechercher et que tu dois aimer de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, et tes forces. Ton âme, ta pensée, tes forces, ton cœur. Il n'y a rien dans ce que je viens de citer qui s'appelle religion ou qui a le titre d'un homme. D'accord euh, Et, et ce n'est pas ton corps, dans ce que je viens de citer. Ta pensée, ton âme, tes forces, c'est à l'intérieur de toi. Amen. C'est quoi le sujet Alors, Baba, euh, on fait pas de sujet, nous. Hein on n'est pas religieux, c'est les religieux qui ont un sujet. <laughs> on ne fait pas de sujet. Euh, Dieu est un Père et puis, euh, ça serait comme toi, si t'es si parent, t'es peut-être parent. Donc, ça va peut-être te toucher ce que je vais te dire. C'est comme si je disais à mes enfants, allez les enfants, aujourd'hui, pour vivre notre vie, on fait quel sujet on parle de sexe on parle de vêtements on parle euh, tu vas vivre ta journée avec ton enfant et euh, c'est selon la journée comment elle va se passer que tu parleras avec ton enfant de tu auras des conversations avec lui et parler avec Dieu c'est ça c'est avoir des conversations surtout et n'importe quoi au fil de, du déroulement de ta vie euh, et de ta journée avec lui amen euh, on peut pas avoir des sujets parce que Dieu est une relation dans les religions et les sectes, qu'il y a des, euh, des sujets. Euh, Dieu est une relation, donc tu, tu parles avec lui euh, comme tu parles avec un ami, euh, comme tu parles avec ton père, tu peux parler de tout et n'importe quoi. Quand tu vas voir ton père, tu dis papa, c'est quoi le sujet Maman, c'est quoi le sujet Non Et avec Dieu, c'est exactement pareil, mon ami. Amen Il m'a déjà parlé à travers la Bible. Eh c'est merveilleux bah, bah, parce que tu. Euh, il te reconnaît comme sa brebis, comme son enfant. Amen, Slimane. Donc, euh, ne fais pas cette erreur de vouloir te trouver un autre médiateur que le Christ. Amen. Parce que ça serait attristé, le Seigneur. Le Seigneur est le seul médiateur entre nous et Dieu. On ne prie pas des anges, on ne prie pas Marie, on ne prie pas des hommes, des femmes. Euh, on est certes l'Église, mais l'Église, elle a, elle a pas les pouvoirs de Dieu. Euh, L'Église, elle travaille pour son salut, elle fait ce que Dieu lui demande, elle accomplit ses tâches. Donc, il peut y avoir des petits miracles et tout ça, mais... Euh, L'Église, elle n'est pas destinée à faire toujours des miracles et à assister. Tu n'es pas un assisté, mon ami, tu n'es pas handicapé. Tu as deux jambes et tu arrives à marcher sur le chemin de la foi parce que tu as ta propre âme. Tu n'es pas une petite marionnette pour que moi, j'aille te faire marcher sur le chemin de la foi. Amen. Sois fort. Sois fort et, 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 euh, et vis ta relation avec le Seigneur par la foi. Même si tu fais des bêtises, le Seigneur, il rira avec toi même des bêtises. Moi, je faisais des bêtises au début. Hein. Euh, je faisais des bêtises et le Seigneur riait avec moi de mes bêtises. Amen. Puis petit à petit, ben j'ai appris le langage du Seigneur. Parce que si euh, tu ben, si sais pas, tu ne feras pas d'erreur. Et si tu fais pas d'erreur, tu n'apprendras pas. Euh, comment un enfant, il apprend à marcher. On apprend à marcher. On est des enfants de Dieu. On apprend à marcher sur le chemin de la foi. Un enfant, comment il fait il est d'abord sur le dos, il gazouille, il part comme une petite crevette en arrière, puis après il va se tourner sur le ventre, puis après il va voir qu'il a des mains et des jambes, et puis il va, il va gigoter, puis il va faire bouger tout ça, il va synchroniser tout ça, il va partir à quatre pattes, ou se traîner sur ses fesses, et après il va voir qu'il y a des objets autour de lui. Il va se mettre debout, il va s'accrocher, puis après il va se lâcher dans le vide, il va se faire confiance. Amen. Et c'est ça, c'est ça. Quand Dieu dit que un enfant, que tu es un enfant dans l'Église, c'est la vérité. Tu es Emmanuel, parce qu'il t'a donné son corps. L'enfant nous est donné. Pour que toi, ton âme, elle entre dans son corps et qu'elle soit sauvée, parce que ton corps est mort à cause des péchés. Donc c'est comme ça qu'il te fait sortir du monde. Amen. Parce que son corps, lui, est retourné au ciel. Amen. Et quand tu as un enfant de Dieu, non seulement tu dois apprendre à marcher sur son chemin de foi, mais tu dois aussi apprendre la propreté. Parce que c'est comme si tu faisais popo dans ta couche, tu faisais popo sur toi comme un nouveau-né, hein, normal. Euh, tu, tu fais caca sur toi, tu dois apprendre la, la sainteté. Donc tu dois plus pécher. Le, le, le caca, la, la souillure du monde, les mauvais désirs, les disputes, les querelles, etc. Tous les fruits sales du diable, c'est du caca. Donc tu dois apprendre à être saint à ne plus, euh, à ne plus te, te faire caca dessus ou à ne plus te salir comme un enfant euh, euh, qui se roule dans l'herbe ou dans la boue, euh, qui revient avec les vêtements déchirés, la crotte au nez, euh, qui mange ses, les, ses manges de pull, qui se mouche sur son pull. <laughs> Quand il mange, il se fait des tâches et tout ça. Euh, tu dois apprendre à être propre, à ne plus tâcher ta, ta robe des noces, à ne plus pêcher. Tu, tu dois apprendre tout ça. Mais tout ça, tu ne peux pas l'apprendre en, en t'appuyant sur les frères et sœurs élus. Les frères et sœurs élus sont des, des guides. Ils vont parce qu'ils reçoivent des, des enseignements, des choses. Ils peuvent te, te fortifier dans ton zèle, euh, partager ta foi. Ils peuvent prier pour toi, mais ils peuvent pas t'assister au niveau de ça. Ta marche avec le Seigneur, elle est c'est toi. C'est vraiment. Euh, la foi sont les œuvres et mortes. C'est à toi vraiment de faire tes œuvres. C'est à toi de faire tes preuves. Et tu passeras des châtiments parce que tu t'es un enfant de Dieu, mais tu es aussi un soldat de Christ. Donc, euh, Christ t'enverra au combat. Amen. N'aie pas peur. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Fais-toi confiance dans ce que tu reçois. Et si tu doutes de ce que tu as reçu, que tu crois que c'est l'ennemi qui te l'a envoyé ou que ça vient de toi et que ça vient pas du Seigneur, bah tu parles au Seigneur. Seigneur, euh, je pense avoir eu une vision. Est-ce que ça venait de toi Et il te dira oui ou il te dira non. Amen. Alors j'écoute et humblement je n'ai pas de questions. D'accord, d'accord. Simon Pierre, mais en tout cas, si tu en as une qui te revient à l'esprit ou que Voilà, on ne sait pas. Tu l'écris sur un papier et au prochain live, bah, vous me le dites. que Vous avez des questions. Je lis pas toujours vos commentaires. Je suis désolée, frères et sœurs, mais moi je viens avec une mission. On doit faire toute chose pour le Christ. Donc on n'est pas là pour les hommes. On cherche pas à plaire aux hommes. On n'est pas là pour avoir des débats, etc. Euh, C'est rare que j'accorde du temps pour les questions. Mais ça, ça arrive, ça arrive, amen. Euh, mais sinon, je viens avec une mission. Ma mission, c'est de, de faire passer les messages du Seigneur, de faire mon temps d'étude aussi. Amen, parce qu'on ne doit pas perdre de temps. On ne doit pas arriver en retard euh, à Christ. À Christ est la porte des brebis et on ne doit pas entrer trop tard, on ne doit pas paraître trop tard. Amen. Tout est conduit par le Saint-Esprit. Exactement, ma sœur Adeline. Amen. Tout est conduit par le Saint-Esprit. On n'est pas le berger, on n'est pas la tête de l'Église. Et euh, il y a un seul grand pasteur pour le troupeau, c'est Jésus. Euh, si tu mets des pasteurs, des hommes au travers de, de ton chemin pour aller à Christ, ben, ces hommes-là vont t'arrêter. Parce que ces hommes-là vont vouloir te garder dans leur Église et que tu leur obéisses. Et tu n'es pas une marionnette des hommes, toi. Toi, tu es un, un ami de Dieu. Amen. Même le Seigneur ne se permet pas de t'appeler serviteur. Donc comment les hommes vont dire, toi, si toi-là, toi fais ça, toi tu as le droit de parler, toi tu n'as pas le droit de parler. Les serviteurs le font ça, les hommes le font parce que les hommes sont orgueilleux. Mais le Seigneur ne le fait pas. Alors ne laisse pas un homme être, être ton enseignant. Un seul est votre maître, ne vous faites pas appeler rabbi. Un seul est votre père, n'appelez personne sur la terre votre père. Donc les saints pères et les pères de la catholique romaine, euh, on les connaît ni d'Adam ni d'Ève et on n'en a rien à faire. Amen. Faut faut pas laisser les hommes vous éteindre ce Saint-Esprit qui est en vous. Quand vous êtes entré dans l'eau du baptême, vous avez manifesté le Saint-Esprit. Vous avez manifesté le Saint-Esprit parce que vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Vous êtes plongé dans l'eau du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous aviez la foi à ce moment-là parce que vous, vous saviez qu'en vous plongeant dans ce baptême, vous, vous donniez votre vie à Jésus. Et il n'y a rien qui est changé. Chaque jour, tu as donné ta vie à Jésus. Il bah, faut continuer à espérer à Jésus. Puis, euh, puis c'est Jésus qu'il faut chercher à, ser, à servir. Euh, Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Vous Demandez, on vous donnera. Euh, il ne t'a pas dit que c'était à des hommes qu'il fallait aller frapper et tout ça. Il t'a pas dit ça, le Seigneur. C'est lui qu'il faut chercher ça il est la porte des brebis c'est à lui qu'il faut frapper amen c'est lui qui va t'ouvrir faites-vous confiance les amis lâchez prise vous avez un, un problème comme moi moi c'est la confiance aussi alors c'est parce que des fois on a un esprit d'incrédulité qui tourne autour de nous ouais moi j'ai eu un esprit d'incrédulité qui a tourné autour de moi pendant deux ans et même quand je touchais le Seigneur parce que le Seigneur me visite amen euh, je voulais chasser le Seigneur le Seigneur me disait avril je suis je suis Jésus Christ. Et Il était triste, ça c'est sur le lit. Puis des fois, euh, bah, il disparaissait à mes yeux, mais il restait dans le silence. Il restait là. Il restait dans le silence. Puis il disait :« Je suis le Saint-Esprit. Et » euh, et, et un jour, je croyais que je croyais qu'il était parti, mais non, il était encore là. Il restait dans le silence, parce que quand nous on est infidèle, lui demeure fidèle. Amen. Ça peut t'arriver d'être infidèle parce que t'es combattu, t'as un esprit de démon qui, qui rôde autour de toi, qui cherche à t'arrêter. Cette influence-là ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient du malin. Mais il faut vraiment que t'apprennes à, à être libre et à te faire confiance. Être libre, c'est pas se soumettre à des hommes. Être libre, c'est pas vivre selon le monde. C'est se, se... être... lâcher prise sur qui on est et se donner à Jésus-Christ comme une victime expiatoire. Amen. Comme un sacrifice. Vous avez compris les choses, les amis, vous êtes intelligents, hein? vous êtes à l'image de Dieu, amen, vous n'êtes pas des bêtes, il n'y a que les chiens, les porcs qui ne comprennent pas, amen. Euh, gardez tout dans votre cœur, amen, et que, que le Seigneur pourvoie, pourvoie et vous aide là où vous avez des difficultés, amen. Euh, justement, demandez au Seigneur, faites cette prière, je vous recommande de faire cette petite prière simple, Seigneur, examine-moi pour que je comprenne là où j'ai des difficultés, ce que je dois te demander dans mes prières. Et vous allez voir que... Vous allez été étonné vous-même, mais sur le moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de prier pour quelque chose. Seigneur, donne-moi la sagesse ou l'intelligence ou euh, Seigneur, ouvre mon cœur, euh, chasse l'esprit d'incrédulité ou je sais pas quoi, euh, augmente ma foi. Vous allez vous surprendre à prier tout seul et là, vous allez vous rendre compte que ça venait du Seigneur. Faites ce test, faites ce test, les amis. Je vous assure. Demandez au Seigneur qui vous examine, Amen, et euh, demandez-lui sur quoi, sur, sur quoi vous pouvez le servir, à qui il peut vous envoyer prêcher parlez euh, et demandez-lui sur, sur, sur quoi vous avez des défauts sur quoi euh, il faut que vous vous bourrez de coups euh, euh, ou sur quoi vous, il faut que vous demandez encore son aide et qu'il vous transforme amen demandez-lui je vous assure demandez-lui le seigneur est vivant et, euh, et le seigneur est tout en tous il est partout et il peut tout il peut tout amen que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs les amis, donc là moi je vous laisse parce que le Seigneur il me fait signe euh, d'arrêter là le live, donc j'arrête là, je vais reposter la rediffusion de mon live là sur Youtube, euh, mon fils a pas récupéré les derniers lives là où il y avait Belzeb Popo tout ça, mais bon j'en ai rien à foutre, c'est pas des lives très très glorieux, hein. donc euh, je m'en fous, euh, ça euh, tant mieux que ça soit même pas sur mon Youtube je vais vous dire, euh, voilà, mais là je vais lui dire qu'il récupère au moins ce live là parce que ce live là c'est quand même pour l'éternel, Amen. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Alors, j'aimerais bien faire une lecture ce soir à 21h30. Euh, j'aimerais bien continuer le pisti Sophia, parce que je n'ai pas fini de le lire, le Pistis Sophia. Amen. Si Dieu le veut, bien sûr, si le Seigneur le veut, parce que le Seigneur ne m'a rien dit du tout. Tu pourras le faire avril. Amen. Et ben Alors, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30. Shalom, gros bisous, bye bye. Bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous embrasse dans la paix et que Dieu soit avec vous, les élus, hein, les élus, amen, et qu'ils vous bénisse. Ceux qui, ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui vont pas sa volonté, je leur donne aucune bénédiction et, euh, et euh, je leur souhaite quand même que Dieu soit avec eux. Shalom.